like and subscribe to the channel.
Ça soutient beaucoup la chaîne. Merci d'avance. Depuis plusieurs années, une jeune femme est persuadée que la maison de son amie Britty, vieille de plus de 150 ans, est hantée. Un soir, alors que les deux copines sont seules dans la demeure, elles vont être témoins d'événements troublants qui semblent valider cette hypothèse. I'm checking this end of the house while Brittany's checking that end. I'm so freaking out. No. Where was that? Hello? Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god. Guys, I'm so scared. Did you see that, Brittany? Mm-hmm. Brittany, there's literally... Okay, there's literally no one else here except for Brittany and I. And Brittany's in the bathtub. And I got so scared being out by myself. I came in here to sit with her. And I keep seeing things on the other side of the door. But everybody else is out of town. Like, her fiancé's out of town. And we're just home alone. The dogs are outside. There's literally no one else in the house. And I told Brittany, yes. Alors que la jeune femme déambule dans le couloir, une voix d'enfant peut être entendue, puis ce qui ressemble à un visage apparaît quelques secondes derrière la fenêtre de la porte. Si ces phénomènes sont surprenants, les deux amis ne sont pas au bout de leur surprise. Right, there's no one in this place. Brittany and I are just checking. Maybe someone came in the house, okay? I'm gonna check this door. Hello? Brittany! Was that you? No. You're serious? That wasn't you? That wasn't there before. It's fine. If it's my time, it's just my time. That wasn't there before. No. Okay, Mel, maybe your time, but it's not my time. Après ces événements, les deux amis vont chercher à se renseigner sur l'histoire de la maison et vont trouver de vieilles archives, parmi lesquelles un album photo. L'ami de Britty décide alors de consulter le document, quand soudain... I just found this old book. And inside of it is old pictures. Dragster. Alright, well, somebody took a picture out. Future cars. Like, there's people in here. Why is there so many horses? What just fell? Why did that fall out? I feel like kind of a connection to it. I feel like there might be someone that's connected to it, like a spirit almost. Oh gosh, there are any pages? So, what is that? That's so weird. D'abord la lumière qui vacille, puis une photo qui tombe. Si ces deux événements n'ont rien de paranormal dans l'absolu, le fait qu'ils se déroulent précisément pendant que la jeune femme consulte l'album photo en font une coïncidence qui mérite d'être soulignée. Quant au phénomène observé précédemment, rien ne permet malheureusement d'écarter l'hypothèse d'une mise en scène avec la présence d'un complice, à moins que cette maison vieille de plus d'un siècle ne cache d'autres secrets. Dans l'ouest de Virginie se trouve un centre pénitentiaire qui a fermé ses portes il y a plusieurs années et qui a la réputation d'être hanté. Actif entre 1876 et 1995, le centre a été à l'origine de l'exécution de 94 détenus, dont 85 par pendaison et 9 par électrocution. Plus de 25 ans après la fermeture de la prison, des bruits de pas pourraient encore être entendus, ainsi que des claquements de portes de certaines cellules. Il est également question d'un concierge qui fut assassiné dans le sous-sol du centre et dont on pourrait parfois sentir la respiration froide au niveau du cou. Mindseed TV est un groupe de 3 enquêteurs qui a décidé de se rendre dans cette prison avec l'espoir de capturer quelques-uns de ces phénomènes. Après une séance de Ouija qui n'a pas donné de résultats concluants, le groupe décide de se séparer pour pouvoir visiter le plus de surface possible. Et c'est précisément à partir de ce moment-là que des choses étranges vont commencer à se manifester. Hello?
Does some of you like to open and close these? Oh, fuck me, dude. Who's down there? Who's here with me? What the fuck? This place is a fucking trip. What the fuck? Nah. Sounds like it's following me. Yeah, fuck that. Later. Casey! Can you please make that thing blink again? Après avoir entendu ce qui s'apparente à des bruits de pas et des portes de cellules qui se ferment, les trois enquêteurs décident de se rejoindre et sont alors témoins du comportement étrange de leur détecteur de champs électromagnétiques qui s'active dans un environnement où il ne devrait, a priori, pas y avoir d'énergie. Le groupe va ensuite se rendre dans l'infirmerie du centre et faire une découverte assez déconcertante. It's like they would like put their head in this. Oh my god. And then inside of here, and then they'd strap you down with these. And then what did you build? I don't know what. This has to have some sort of purpose. Les trois hommes découvrent une boîte noire, disposée au bout d'un lit, et dont la fonction semble être de recouvrir le visage de la personne allongée. Un des enquêteurs va alors se porter volontaire pour tester cette fameuse installation, pendant que ses deux collègues vont visiter une autre partie de la prison, non sans appréhension. Something right above me. There's a lot of noise coming through. Is that you? Light it up green for yes. What the fuck was that? Oh, that's something big. What's that in here? Oh, how long was I in here? 20 minutes. Des bruits se font encore entendre et les enquêteurs décident de se rejoindre à nouveau pour se rendre cette fois-ci au sous-sol où le concierge serait mort. Ils vont alors tenter de communiquer avec ce dernier par le biais d'une spirit box, quand soudain... Is there anybody else down here besides the... I just felt pressure on my shoulder. During this test, when Tanner said that he felt something touch his shoulder, we watched back the video footage while we were down there in the basement, and at the time, we really didn't notice anything on the thermal image that we were watching. But once we blew it up on the computer, what we were able to see is mind-blowing. When we were down in the basement, I felt like someone or something touched my left shoulder, like almost placed a hand on my left shoulder. And at first I thought maybe it was one of the guys. I could hear them talking. They were still on my right. What I felt was on the left.
physically see someone or something on the thermal camera reaching out and touch me, and it looked like it was in the form of a human. S'il est difficile de voir la forme d'un être humain dans ces images, il est en revanche facile d'observer cette masse plus sombre qui se tient derrière l'enquêteur disant avoir été touché et qui correspond à une température beaucoup plus basse. En faisant la somme de tous ces phénomènes capturés, et sans forcément tout ramener au paranormal, cette prison dégage incontestablement une atmosphère lourde, rappelant le dur quotidien qui pouvait exister au sein du centre pendant son activité. Un lieu dont les séquelles n'ont peut-être pas encore totalement disparu, et dont l'écho semble toujours résonner dans les murs du bâtiment, un quart de siècle plus tard. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel extrait vous avez préféré. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau cocktail et de nouveaux frissons. A plus. Préparez-vous à découvrir 5 vidéos effrayantes et mystérieuses. Bonne dégustation et bon frisson. La plupart des événements dits paranormaux impliquent régulièrement des phénomènes de voix électronique. Ces bribes de phrases, qui peuvent être entendues ou captées par certains appareils, se voudraient être des messages d'esprit ou d'entité. Plusieurs personnes disent avoir été témoins de tels phénomènes, notamment par le biais de leur téléphone. C'est précisément ce qui est arrivé à un jeune homme au moment d'écouter un message laissé sur son répondeur. What I have here is a free government phone. I called voicemail and there's a creepy message that they left. And then they say they're calling from a maintenance department. So I'm going to play the message now. Play it. It's creepy. Each message. Hello, I'm calling you from the maintenance department. Please call me back at 937-314-5612. Avant que la voix d'un homme ne retentisse dans le répondeur, une étrange sonorité peut être entendue dans les premières secondes. Quelque chose qui s'apparente à une voix tremblante et qui semble prononcer la phrase « Aidez-moi ». En se laissant aller à l'interprétation, le sens des mots prononcés semble bien correspondre à l'intonation de la voix, qui paraît empreinte de souffrance et de peine. Se pourrait-il que le téléphone ait capté une voix d'outre-tombe, ou s'agit-il d'un simple bug sonore ? Des rumeurs étranges entourent un bâtiment situé dans une petite ville en Espagne. En effet, le fantôme d'une vieille dame aurait été aperçu à plusieurs reprises par des employés travaillant près de l'endroit la nuit. Ces témoignages semblent également faire écho à l'histoire d'une dame qui aurait grandi dans ce lieu et y aurait rendu son dernier souffle. Le bâtiment a depuis été victime du passage du temps et seule la cave sert maintenant d'espace de stockage pour des céréales comme le blé et le maïs. En raison de cette présence qui entrait le lieu, les employés ne souhaitent plus travailler la nuit. Luna est une enquêteuse qui a décidé, accompagnée de son amie Melissa, de vérifier la véracité de ces rumeurs. Les deux femmes ne le savent pas encore, mais elles vont capturer des événements qui ne vont pas contredire ces témoignages. Quiero ver si por medio de las ventanas logramos captar algo. Alguna evidencia fuerte. Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estoy haciendo ruidos. La cadena, Meli, la cadena. Está moviendo. ¿Es el aire? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Es el aire o eres tú? No nos dieron acceso ahí porque es una oficina, pero vean cómo está cerrada y cómo está atada aquí. Por eso no creo que... No sé si le está moviendo el aire. No sé si ustedes pudieron ver que sí se movió. Si eres tú, dame una muestra más. Thank you.
Ahí está. Alors que les deux femmes explorent l'endroit, le mouvement d'une chaîne attire leur attention. Un mouvement qui semble peu naturel, mais qui à ce stade pourrait tout à fait être l'œuvre du vent. Cependant, les prochaines images que vont capturer Luna et son amie vont laisser un peu moins de place au doute. Ahorita vamos a ingresar a ahí dentro para que ustedes puedan ver, pero sí me gustaría, pues me gustaría pedir la presencia. Es algo que he estado haciendo últimamente, pedir la presencia de este ser, de los seres que ya no están en este mundo, que ya están en el más allá y que de alguna forma, estoy escuchando ruidos allá adentro, Meli, estoy escuchando ruidos ahí. A ver si logramos ver algo. Ay, escucho ruido. ¿Quién anda ahí? No sé si aquí tengan un gato, un perro. Se están escuchando ruidos extraños. Voy a entrar. Ven, Meli, vamos a entrar. A ver, es que estoy viendo que aquí hay una puerta. Vamos a ver qué hay. ¿Quién anda aquí? Ay, ¿esta fui yo? Uf, huele muy mal. Les deux femmes ne semblent pas s'en rendre compte, mais une silhouette peut être vue à plusieurs reprises derrière la fenêtre, à l'intérieur de la pièce. Et alors qu'elles rentrent dans le bâtiment, aucune trace d'une quelconque présence n'est trouvée. On pourrait alors croire que cette silhouette est simplement l'ombre projetée par l'une des deux amies. Mais pour que cette hypothèse soit entièrement valide, il aurait fallu qu'une des deux femmes se tienne devant la lumière de la caméra, ce qui ne semble pas être le cas dans cette séquence. Et si tous ces résultats pourraient effectivement trouver des explications rationnelles, peut-être bien que les employés ont réellement vu cette fameuse dame déambuler dans le bâtiment qu'il a vu grandir. Urbex Seal est un explorateur qui se rend dans des endroits abandonnés. Un jour, il visite une école qui a fermé ses portes il y a une dizaine d'années en raison de dommages importants constatés dans sa structure. Alors que l'homme progresse tranquillement à travers l'établissement, il va capturer un événement étrange dont il ne prendra connaissance qu'après l'analyse des images et qui va lui glacer le sang. Prêtez bien attention à l'entièreté de la séquence qui va suivre pour ne pas le manquer. Peut-être ne l'avez-vous pas vu, alors que l'explorateur traverse un couloir pour se rendre dans la pièce du fond, on observe que certains casiers situés sur les côtés sont ouverts. Or, quand l'homme revient dans ce même couloir quelques instants plus tard, on découvre que les casiers sont désormais tous fermés. S'il pourrait s'agir d'un simple courant d'air, cet événement reste surprenant, car aucun bruit qui aurait pu trahir le moindre mouvement n'est entendu pendant la séquence. Et les choses ne vont pas s'arrêter là, car au cours de son exploration, l'homme va filmer une autre scène troublante. En
Encore une fois, rien ne semble sauter aux yeux. Mais en augmentant la luminosité, les images révèlent un détail assez perturbant. En effet, on remarque quelque chose d'étrange assis sur un des sièges de la pièce. L'événement est d'autant plus étonnant que cette apparition n'est plus présente quelques secondes après. Il est tout à fait envisageable qu'il puisse simplement s'agir d'un animal ou d'un effet d'optique, mais l'enchaînement de tous ces événements laisse croire que l'explorateur n'était peut-être pas complètement seul ce jour-là. Nous sommes à la moitié du cocktail. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu sur cette vidéo. Ça soutient beaucoup la chaîne. Merci d'avance. Nous avons tendance à croire que les événements paranormaux prennent seulement place dans des lieux présumés hantés. Pourtant, il arrive parfois qu'un phénomène inexpliqué survienne au beau milieu de notre quotidien. C'est ce que va expérimenter un homme qui était sur le chemin du retour, après avoir quitté son lieu de travail le soir comme à son habitude, sans savoir qu'il allait être témoin cette fois-ci d'un événement assez troublant. Cette balançoire, qui semble animée par une force lui permettant de garder son élan, sans baisser en intensité malgré les secondes qui s'écoulent, offre une scène déjà peu ordinaire. Mais le plus étrange reste à venir. En effet, l'homme qui filme ces images avait également placé en hauteur un deuxième téléphone donné par son entreprise pour prouver qu'il n'était pas à l'origine de ce déplacement. Et les images offertes par ce deuxième point de vue vont révéler un élément particulièrement surprenant. Une figure sombre, dessinant la silhouette d'un homme, peut être vue à proximité de la balançoire. Pourtant, cette même ombre n'est pas visible sur les images filmées par la caméra que tient l'homme. On pourrait croire qu'il s'agit d'une simple incrustation, mais en regardant de plus près, on perçoit de légers mouvements, laissant croire qu'il s'agirait d'une vraie personne. Se pourrait-il que la caméra ait filmé une certaine forme de manifestation, ou bien s'agit-il d'une mise en scène bien rodée ? Votre avis dans les commentaires m'intéresse. Les époux Warren étaient un couple américain spécialisé dans les sciences occultes et considéré comme des chasseurs de fantômes. Le mari Ed se présentait comme un démonologue et sa femme Lorraine comme médium et clairvoyante. Ils ont été impliqués dans plusieurs affaires de possession, d'exorcisme et de poltergeist qu'ils auraient aidé à résoudre. Les affaires les plus célèbres dans lesquelles ils sont intervenus sont celles de la famille Perrons en 1971, Amityville entre 74 et 76, l'affaire Poltergeist en 77 et le loup-garou démon en 1983. S'il existe peu de vidéos montrant les Warren à l'œuvre, quelques images d'une de leurs interventions dans un foyer du Connecticut où une famille serait en proie à des phénomènes paranormaux violents révèlent des résultats particulièrement impressionnants. Alors que Ed tente de communiquer avec le potentiel poltergeist qui entrait la maison, il va obtenir une réponse pour le moins inquiétante. One knock for yes, two for no. Are you a man? Are you a boy? The mother leans against the kitchen table, her hands in full view, as Ed continues asking questions. You want the people in this house to move. One knock for yes, two for no. Yes. Okay. We couldn't sell. Who is it that you don't like the most here? Is it? Is it? Is it their father? Is it their mother? Oh my God. Okay. I command you to reveal your identity. Next, Ed decides to confront the poltergeist alone. Give me some sign. Is that you moving something? Give me some sign that you're here. What I did was use religious provocation. I have to provoke it into some type of outward manifestation. And that was my point in doing that. The name of Jesus Christ.
I command you to reveal your identity. On the following night, the family reports that the poltergeist seems to be more active than ever. Only now its attention is focused on the family's 10-year-old daughter. What we see here, the little girl is trying to do her homework, but you can see that the chair keeps sliding backwards. You're holding it down, aren't you? It's got that much strength to it. Now, if you watch, you can see the little girl's legs are up on the rungs of the chair. She's not pushing herself up from the floor. The mother is not tipping that chair backwards. No. Nobody is touching that table. The table moves of its own volition. Holy cow! But the haunting continues. Later, as the daughter tries to sleep, an invisible force appears to be shoving her out of bed. Turning me forward. The Warrens quickly arrange for three priests to perform an exorcism in the home, and the disturbance ends. Is there a spirit in this house? But for how long? Si le doute autour des époux Warren quant à leur honnêteté a souvent plané, ils n'en sont pas moins devenus une des figures du paranormal les plus célèbres et médiatisées, à tel point que plusieurs films traitant de certaines de leurs affaires ont vu le jour. Et si la fiction a naturellement tendance à exagérer et dramatiser les phénomènes paranormaux, s'imaginer qu'une infime part de vérité s'y cache suffirait déjà à glacer le sang. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel extrait vous avez préféré. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau cocktail et de nouveaux frissons. A plus. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Pendant l'heure qui vient, nous contrôlons tout ce que vous allez voir et entendre. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses, au-delà du réel. Salut tout le monde. Ah, j'ai un bug direct. Attendez-vous. Voilà. Donc, salut tout le monde. Voilà, voilà. Donc, je vous lis pas le règlement là ce soir parce que c'est un peu spécial. C'est un live paranormal. Bon, après, on connaît le règlement. Hein, c'est pas la peine de le répéter non plus à chaque fois. Je répéterai pour les autres lives. Donc, voilà. Donc, je vais vous mettre déjà mon Discord pour ceux qui veulent rejoindre. Voilà. Hop. Et je vous mets le lien pour que les gens montent directement parce que ce qui m'importe, c'est vos témoignages. Voilà. Si vous avez des trucs à raconter, ce qui vous est arrivé, etc. par rapport au paranormal. Je vous mets le lien de suite. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Donc en attendant que les gens montent, je tiens encore à remercier la chaîne Cocktail de Frissons qui me permet d'utiliser ces vidéos pour faire mes introductions. Vous pouvez aller vous abonner à sa chaîne si ça vous intéresse le paranormal. Bon, il y a beaucoup de mise en scène, beaucoup de fake, etc. Mais ça met une petite ambiance. Bah, ça me fait plaisir de te voir, Sibit. Ça faisait vraiment longtemps que je ne t'avais pas vu. Et voilà, donc je suis content de te voir. Bon, après, bah, hein, je vais avoir le même discours que Chrysalide. Hein. Voilà, bah, après, tu partages l'opposition contrôlée, mais c'est pas de ta faute. Je te dis, va voir mon live. Et après, bah, même si tu continues à partager, voilà, c'est pas grave. Je force pas les gens. Bon, bref, c'est pas le thème du live. Mais bon, c'était juste pour te dire, va voir mon live sur Poutry. Voilà, donc ça, c'est fait. Donc,
Je vais, en attendant les autres. Donc, les vidéos de l'intro et les chaînes YouTube conseillées sont dans la description. Pouce bleu, s'il vous plaît. Dites à vos proches, vos amis, vos collègues, vos voisins qui sont ravis de regarder ce live, c'est urgent. Alors, si vous voulez me soutenir, pensez à mettre un ou deux commentaires après le live. Merci d'avance. Voilà. Alors, hop. Pensez à vous abonner à toutes mes chaînes Freddy Cœur de Lion. Je ne suis pas à l'abri d'une censure. Donc, il y en a 5. Freddy Cœur de Lion 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Et Freddy Cœur de Lion Gaming. Voilà. Là où j'essaie de réveiller les joueurs de PS4. Voilà. Qui pourraient tomber sur mon live. J'ai quand même mis la mise sur la PS4. Voilà. Et surtout, abonnez-vous à toutes nos chaînes. Nous ne sommes pas à l'abri d'une censure. Voilà. Donc, il y a la 404. Il y a le partage du savoir. Toutes les chaînes que je cite régulièrement. Voilà. C'était juste. Pour voilà, vous en parler vite fait. Alors, donc, non, mais il n'y a pas de souci, Sibit. Franchement, il n'y a pas de souci. J'apprécie toujours ce que tu fais. Donc, après, c'est ce que Chrysalide t'a dit plusieurs fois, je pense aussi. Bon, alors, en tout cas. Alors, ah bah désolé Marguerite. Bon, là on va juste parler. Il n'y aura pas de jumpscare. Hein. Jumpscare, c'est, vous savez, c'est ce qui se passe dans les films là quand vous avez un grand silence, hein, puis on voit une personne, on voit un être vivant ou une femme se déplacer dans une pièce lentement, et d'un coup il y a une image qui nous apparaît vite à l'écran avec un gros hurlement, avec un gros truc strident derrière pour nous faire un sursaut. C'est ça un jumpscare. Voilà. Non, je vous ai mis le lien. Ah, mais c'est. Ah, tu me fais plaisir, Véronique. Donc, ça veut dire que Vécu me partage. Ah, ça fait pas chaud. Ah, putain, merci. Alors, bah, j'irai voir ça. Ça fait plaisir, ça. Merci, Véronique. Bonne info. Alors. Ah, non, mais Roman, sois gentil avec Marguerite, toi. Il parle pas des Snuff Movies. Non, mais attends. Tu vas lui parler des Red Room, etc. bientôt. Hein? Non. Bon. Alors, je vous ai mis le lien pour que vous montiez témoigner et discuter. Voilà. Alors, tu es modo chez Vécu? Ok. Alors. Hop. Donc. Pour ceux qui seraient pas habitués à ce genre de live, là c'est plus un live détente. Hein. On se permet de parler un petit peu de notre vécu. Donc si vous avez des expériences paranormales, mettez-les dans le chat si vous voulez pas monter et je me ferai un plaisir de les lire. Voilà, c'est vraiment le but, c'est de vous laisser pouvoir vous exprimer, même si vous êtes timide, et qu'on puisse en fait prouver hein, qu'il y a un monde paranormal. Quelque chose d'inexplicable que justement, ben, on va dire que le système en place ne veut pas qu'on découvre, hein, parce que ça pourrait vouloir dire qu'il y a un créateur, et attendant, ben, qu'on est des créations et qu'on n'est pas là pour rien. Moi, bon, j'essaie de lire un peu vos commentaires, mais bon, non, il n'y a pas de témoignages. Donc, allez-y, si vous avez des témoignages. Voilà, sinon. Parce que là, j'ai un salon de témoignage de paranormal sur le Discord, mais j'ai déjà tout expliqué déjà. Enfin, j'ai déjà tout lu. Donc, je vais pas relire les mêmes histoires. Et la dernière fois, j'avais fait un live, mais sur Twitch, et on avait autant de gens. Je pensais qu'on aurait plus de gens ici. Peut-être aussi parce qu'on est dimanche soir, et peut-être les gens ils travaillent le lendemain ou ils sont devant leur film avec leur femme. Donc peut-être ça aussi. Mais alors. Alors. Oui, il n'y a pas de souci, cœur qui résonne. Non, non, mais c'est pour les autres. Hein. Ceux qui peuvent monter, montent. Et ceux qui veulent. Ouais, bon, d'accord, si tu veux aussi, je vais lire ton histoire. Donc, j'ai fait deux cauchemars cette semaine. Quelqu'un qui m'enlaçait, j'ai crié comme une femelle.
Ah, on a Kuluk qui est dans le sas. Alors, si tu peux juste couper ta caméra, donc tu vas avoir stop cam tout en bas, bouton mute, bouton top stop cam, tu cliques sur stop cam et je te fais monter juste après, dès que tu as un logo comme moi. Alors, oui, on peut. Attends, hop, je vais partager. La preuve, les élites font des pactes avec eux, même les stars le disent de leur propre bouche. Donc, allez voir le live sur la secte mafieuse anonyme contre le monde entier depuis des siècles que j'ai fait hier soir. Voilà. Ah, Kuluk. Coupe la caméra, Kuluk. Voilà. Tu vas bien? Ça va, et toi, comment tu vas? Ça va, moi la patate comme d'habitude. Ah, ouais. Alors, as-tu une expérience paranormale à nous expliquer, à nous Ben, raconter? de mon vécu, j'en ai quelques-unes aussi. Ici, j'en ai vu une sur Facebook, si je dis pas d'erreur, dans les vidéos quand ça défile là. Et c'est une qui me paraissait assez bizarre, mais qui a été filmée par une vidéo de police. Et c'est celle-là que je vais exprimer en premier. C'est une femme policier et elle faisait sa ronde. Je pense que c'est même la première fois qu'elle faisait cette ronde-là et qu'elle devait fermer des grilles derrière son passage, enfin ouvrir et fermer des grilles derrière son passage. Non, fermer derrière son passage. Et à un certain moment, elle voit une femme sur le bord de la route, habillée en blanc. Et quand elle arrive à hauteur de la silhouette de la femme, ben, elle disparaît. Et quand elle regarde dans son rétroviseur, la silhouette de la femme est placée à l'arrière de la voiture. Elle prend un méchant flip, mais c'est sa maman ou sa grand-mère qui lui avait exprimé le fait que des entités pouvaient exister et que si un jour ça lui arrivait, de ne pas paniquer et de parler avec elle pour savoir qu'est-ce qu'elle voulait. Et alors, elle a continué sa tournée comme ça, du parc qu'elle devait fermer les accès. Et elle lui exprime qu'elle est là pour travailler, qu'elle fait ça pour faire enfin, sur sa nuit de travail. Et il n'y a pas enfin, d'échange par rapport à l'entité qui s'est installée à l'arrière de la voiture. Et quand elle arrive à la dernière barrière, elle ferme la dernière barrière après être passée, enfin, sortie de la voiture pour fermer la dernière barrière. Et quand elle revient, ben, l'entité n'est plus là. Franchement, ça dure pas longtemps la vidéo, mais c'est assez flippant. Moi, un bonhomme, je te promets, un truc comme ça m'arrive, je reviens pas dans la voiture, je pense. Et justement, est-ce que tu as un lien comme ça, je le partage sur le chat, comme ça les gens ils iront voir. Malheureusement, j'ai pas. Si je le retrouve, je le passerai et je le mettrai en commentaire par après. Ah, ça Quand... marche pas les commentaires, mais tu me donneras. T'es sur Discord, non? Ouais, je suis sur Discord. Tu me l'enverras en message privé, ce sera plus simple. Allez, c'est ok. Ça sera mieux. Ça, je le passerai pour le prochain live. Allez. C'est cool. Alors, juste avant que tu me racontes tes autres expériences, il y a juste deux, trois petits trucs, parce que là, j'en profite. Il y en a qui me racontent des trucs en même temps. Donc, on a. Alors, attends. Il y a le cœur qui résonne qui m'a mis. J'ai fait un rêve très bizarre. J'aimerais bien vous en parler, mais avec le micro de l'ordi, c'est grésille. Donc, tu peux nous l'expliquer en écrit et je me ferai un plaisir de te lire comme si c'était le fil rouge de l'émission. Tu vois ce que je veux dire? Donc, n'hésite pas. Décris-nous ton rêve en écrit et je me ferai un plaisir de te le dire, le cœur qui résonne. Après, je regarde un petit peu. Alors. Attends, Roman, j'ai pas vu le début. Bon, Roman, t'as vu le soleil noir sur Paris un jour? Wow. C'est devant le début. Si j'ai rien loupé. Non. Alors après, tu as dit.
Alors, attends, j'ai vu la lumière blanche aussi. Et dernièrement, j'ai vu un chat aux yeux verts qui m'hypnotisait. Wow. Ok. Ah, la déesse dit la dame blanche est très connue. Ouais, bah moi j'ai vu pas mal de vidéos aussi. C'était dans mes écoutes de 2008-2010. J'ai vu pas mal de vidéos sur YouTube là-dessus. Donc je suis vraiment impatient que tu m'envoies le lien en MP. Comme ça, j'irai voir aussi. Ok. Bah, ma femme elle aime beaucoup ça aussi, de voir des genres de vidéos là. Même si c'est du montage, ça fait quand même réfléchir. Mais là, ça avait pas l'air d'être du montage, quoi. Et franchement, même la femme, elle était pas sereine, mais elle essayait de garder son calme au maximum, quoi. Ouais, mais tu sais, je me méfie beaucoup. Hein. Tu connais la chaîne YouTube Feld Up? Non. Non? Feldup. Et en fait, c'est un peu un débunker justement des montages, mais enfin, c'est pas vraiment un débunker. En fait, il explique que lui, il aime beaucoup les gens qui inventent des histoires, qui font flipper, etc. Et vu qu'il aime beaucoup ça, bah, il voit quand c'est vrai, quand c'est faux. Et il y a des moments où moi, j'ai des trucs, je pensais vraiment que c'était vrai, tu vois. Et en fait, bah, il démontre que bah, non, c'est un jeu d'acteur, que y a des coupures, etc., que nous, on voit pas, parce qu'il faut vraiment faire des zooms pour voir les coupures. Donc voilà. Donc après, voilà, c'est pas que je veux Oh, ouais, c'est te clair que. Ouais, dans le truc, mais c'est possible que ce soit un montage, quoi. ouais. Alors, bah vas-y, je te laisse continuer si tu as un autre truc, parce que là, pour l'instant, il n'y a rien d'autre. Mais quand j'étais gamin, maintenant, je ne sais pas si on peut considérer ça comme du paranormal ou. Enfin, je vais expliquer, chacun se fera son idée. Donc, j'étais gamin, je jouais toujours avec mes potes à l'école. Et ce jour-là, je vais trouver des filles pour jouer avec elles et elles me pètent le bras. Donc, je vais à l'hôpital, bras cassé, et je rentre, on appelle ma mère, parce que je vivais avec ma mère et un beau-père. Et donc, ils viennent me rechercher à l'école et on va chez ma grand-mère, parce que j'ai ma tante, enfin, la sœur de ma maman, qui est décédée ce jour-là. Et. Donc, c'est quelque chose, tu vois, je m'y attendais pas. C'est après, avec le recul et le fait qu'on parle de paranormal, pour voir si, je sais pas le pourquoi du comment. J'ai été attiré pour aller jouer avec les filles et qu'elles m'ont niqué le break. Je me suis retrouvé à être au courant du décès de ma tante, que c'est quelque chose qu'on nous aurait peut-être caché plusieurs jours, quoi. Et la tante en question, elle était toujours en train de jouer avec mon frère. Maintenant, c'est une tante qui était trisomique. Je ne sais pas si c'est un fait ou si c'est une réalité, mais il paraît qu'ils sont conscients du moment où leur décès arrive. Et dans la fin de sa vie, ben, elle était toujours accrochée à mon frère. Et dans la fin de sa vie, elle rejetait mon frère et elle venait plus vers moi. Est-ce que c'est ça qui fait que j'ai été vers les filles et que j'ai eu mon bras cassé parce qu'elle m'appelait pour me faire savoir quelque chose ou quoi? Je sais pas. Je me suis jamais posé de questions et j'ai jamais posé de questions, mais c'est maintenant que je me pose des questions quand même par rapport à ce vécu-là. Alors juste, il y a le cœur qui résonne là, n'hésite pas, voilà, parce que tu peux pas monter parce que ton micro déconne, mais n'hésite pas, écris-nous ton histoire, s'il te plaît, ça fera plaisir à tout le monde en même temps. Donc, justement, voilà, donc explique-nous dans les détails, tu as le temps, je ferme à 11h30 minuit max. Donc, tu as encore au moins 1h10 pour bien tout écrire et je le lirai au fur et à mesure comme si c'était le fil rouge de l'émission. Donc, il n'y a pas de souci. Ah, attends, il y a Ayam qui me raconte un truc aussi. Alors, que je vois si j'ai pas raté un morceau. Non, c'est bon, par moi, il n'y a que ça. Donc, j'étais en train de me prendre la tête tout seul, j'étais énervé. Mon ange gardien m'a demandé pourquoi j'étais autant abattu. J'ai dit, ben, je parle aux âmes et
c'est les égaux qui écoutent et répondent. Wow, tu parles à ton ange gardien, toi, Ayam? Alors, attends, on a Sidonia. Salut Sidonia, tu vas bien? Ouais, ça va. Salut Sidonia. Pour l'instant, non, ça va. Vas-y, parle un petit peu pour moi. Alors, je venais raconter ma petite histoire que je t'avais dit une fois. Quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai habité ma petite maison hantée. Oh, ok, ok. Attends, juste, je vais t'augmenter un peu le son parce qu'on t'entend mal. Bah, sinon. Ouais. Non, c'est bon. Je t'ai augmenté le volume, donc normalement, c'est mieux. Vas-y. Alors, c'était très bizarre. Donc, j'arrive à 20 ans avec mon bébé de. Il avait quel âge? 3 mois à l'époque. On se pose dans cette maison. Je suis avec un gars qui est militaire à l'époque et qui n'est pas là. Donc, on se retrouve tous les deux. Il y a des trucs bizarres quand même, des coulures bizarres sur les murs, tu vois. Bon, mais on me dit, bah, ça a toujours été là. Bon, d'accord. Et puis, il se met à y avoir des phénomènes assez étranges la nuit, mais j'ai un placard avec des portes qui font un bruit caractéristique et je l'entends la nuit, ça se referme, c'est bizarre, ça claque dans tous les sens. Je vais vous la faire courte. Hein. Et à un moment donné, mes voisins fromagers, on avait un grenier en commun, et ils me disent, on va réaménager, on va faire des apparts là. Bon, ok. Il se passe quelques temps et puis un soir dans ma chambre j'entends un bruit de fête de l'autre côté du mur. Je me dis oh les connards ils ont fini et ils m'ont même pas prévenu. Hop, ni une ni deux, je passe par l'intérieur derrière le bâtiment. Hop, je monte dans les greniers et qu'est-ce que je vois? Bah, rien, des greniers noirs, vides, pas de bruit de fête, rien. J'ai eu la peur de ma vie, c'est-à-dire que de ma chambre, j'avais entendu des bruits de fête, vraiment comme on connaît. C'est les voisins d'habitude, tu vois. De la musique, des rires. Au moment où je passe en réel, je monte les escaliers et je vais dans ces greniers, il n'y avait plus rien. Alors, là, j'ai voulu partir. Ça faisait 9 mois que j'habitais dans cette maison. Et aujourd'hui, je sais qu'on habitait une sacrée maison hantée parce que on a pris des photos à l'époque de nous, et mon fils et moi, à l'époque, on ressemble à des cadavres. J'ai 20 ans, il a entre 3 et 6 mois, on ressemble à des cadavres. On est pâle, on est osseux, c'est horrible. Ça, c'est pour la première histoire. Ok, vas-y. À moins que Culuc, tu avais quelque chose d'autre à. C'est pour que chacun. Parce qu'il m'a raconté déjà 2 histoires, mais. Non, elle peut aller. J'ai d'autres histoires, mais je sais pas si ça sera perçu comme du paranormal ou un sens plus ouvert que d'autres sur le fait que j'ai déjà sauvé plus d'une fois la vie à un de mes frères en voyant ce qu'il y a, enfin pas en voyant, mais enfin peut-être qu'inconsciemment je voyais ce qui pouvait lui arriver sans que ça ne lui arrive du fait que ou je le retenais ou je le retirais de la place où il était. T'as raconté, c'est bien. Mais on était gamins. Chez nous, c'était pas toujours classe à la maison, donc on a fugué très tôt. Et là, on avait cavalé avec deux potes d'école et un pote hors école. Et on avait été se mettre juste à côté de l'école où on allait. C'était une ancienne boucherie et elle était fermée. Et là, on monte, il faisait noir et tout. Et à un certain moment, mon frère, il ouvre une porte parce que on explorait les lieux. On était des urbexeurs avant l'heure. Ouais. Et donc, on inspectait. Et à un certain moment, je le suis. Il ouvre une porte, il marche. Et là, j'ai le temps de le rattraper ou sinon, il faisait une chute de plus de 10 mètres, enfin ouais, 5-6 mètres de haut à l'aise, quoi, voire plus. Et une autre fois, beaucoup plus âgé, là c'est sur la partie de la Belgique, enfin la commune de Liège, et il prête une voiture à un de ses potes qui lui dit « Ouais, je sais conduire ». Il fait le tour du quartier, et juste comme il va arriver pour venir se stationner,
Je lui dis, bouge-toi, il va te rentrer dedans. Il dit, maintenant, essaie de conduire. Je lui dis, bouge-toi, il va te rentrer dedans. Maintenant. Et quand la deuxième fois, quand il me dit, ben non, je l'ai attrapé, je l'ai retiré. Et l'autre qui savait conduire, il est venu rentrer dans la bagnole qui était derrière mon frère. Donc, il aurait eu au minimum les jambes pétées, quoi, là. Ah ouais, non, mais tu vois, mais ben, c'est un genre de sixième sens que tu as développé, etc. Donc, non, pour moi, c'est paranormal. Donc, tu as bien fait de le raconter. Alors, je vais en profiter. Donc, je vais accueillir mon ami Abou Dner. Ça va, l'ami ? Salut à toi. Salut à tout le monde. Merci de l'invitation. Merci aux frères c'est Beat Prod pour le partage. Je vais partager aussi. Et franchement, j'ai vu l'affiche. J'étais obligé de foncer dedans, en fait. Ah ouais. Impressionnant. Et un salut à tout le monde, à tous ceux sur le chat et à tous ceux ici qui racontent leurs histoires paranormales. Ouais, mais du coup, je n'ai pas pensé à préciser, je voulais faire vite pour ne pas prendre le micro, mais en fait, avant qu'il arrive cette histoire avec les voisins, j'ai eu plein de petits trucs, hein, des petits trucs à la con, des tics. Vous savez, le fameux tic contre les vitres, bien connu. Le fameux tic, j'ai pas entendu, excuse-moi. On entend un petit, comme un petit caillou lancé contre les vitres. Vous connaissez ouais. ça ouais, ça, ouais. Ça c'est connu. Alors, je me relevais, je me mettais sous la fenêtre et dès que j'entendais tic, je me redressais comme un petit diablotin, tu sais, pour voir. Il n'y a pas quelqu'un qui envoie un caillou contre mes fenêtres, tu sais. Enfin, j'ai passé des mois avant cette histoire que je vous ai racontée. J'ai passé des mois à observer ce qui se passait chez moi quand même. Hein. J'ai voulu la faire courte, mais en fait, ça a duré 9 mois presque au quotidien. Hein. Voilà, c'est tout. C'est bien. Ouais. Chacun ses expériences. Hein. Ah ouais. C'est bien, ça fait vivre, quoi. J'ai raté le début du live et les infos que vous avez données un peu. Je sais pas si même toi, Freddy, t'as raconté une histoire paranormale. Non, là, j'étais soft aujourd'hui. Parce qu'en fait, généralement, j'ai déjà tout raconté. C'est la 7 ou 8e émission paranormale que je fais. Donc, je ne vais pas non plus de radoter. Donc, non, j'ai déjà raconté mes histoires. Donc, ça, j'invite les gens à venir expliquer ce qu'ils ont vécu. Et donc, bah, vas-y. En même temps, je viens plus trop sur tes lives, en fait, à bout de nerfs, parce que je suis très occupé. Mais en tout cas, je te suis. Hein. Quand j'ai un peu de temps, j'écoute les replays. Et j'adore vraiment ce que tu fais. Continue de la choyer, en tout cas. Merci à toi, frère. On essaie. Tu voulais. Attends, on laisse la sœur intervenir. Bah, si elle a une autre histoire, vas-y, continue, Sidonia. Hein. Ah ouais, j'en ai une deuxième que j'aime beaucoup parce que mon père n'était pas du tout ni croyant, ni je sais pas quoi, tu vois. Et il a eu 2 accidents de la route sans ceinture hein, qui lui ont sauvé la vie. 2 fois, il est tombé dans le ravin. Et la deuxième fois, il a fait une NDE. Il ne voulait pas admettre que c'était une NDE, mais il a dit « Moi aussi, je l'ai vu le tunnel. Hein. » Et c'était 9 mois avant ma naissance. Ok. C'était juste au moment où il rencontre ma mère. Et, alors, c'est une expérience de mort imminente, c'est ça que tu veux dire ? Ouais, bah, il a dit qu'il était un tunnel. Alors, j'imagine que c'est un truc comme ça. Il n'a pas trop voulu en parler. Hein. C'était un vieux. une petite parenthèse là pour ce sujet-là de mort imminente et tout. Moi, j'y croyais pas trop. Et on est venu sur la chaîne, on m'avait apporté des éléments. Et un jour, une sœur, elle a confirmé, il y avait une vidéo sur le sujet, et elle a confirmé la chose. Elle a dit qu'elle-même, une sœur sur le chat, elle a dit qu'elle-même, elle a fait un accident de voiture. Et quand elle a fait l'accident de voiture, elle a vu son âme sortir de son corps comme un accordéon. Genre, elle a fait un face-à-face. Comme un accordéon, partir loin et revenir. Oh ouais. Et elle a vraiment vécu la chose. Et là j'ai dit, il y a peut-être quelque chose là, quand j'ai entendu ça. Et c'est une femme qui est souvent là, c'est pas une mythomane. Et ça m'a vraiment fait
comprendre qu'il y a peut-être quelque chose. Non, ça, je suis sûr qu'il y a quelque chose après la mort. Mais que des gens peuvent vivre ça. Et c'est partir et revenir. Il y a plein de témoignages comme ça. Il y a plein de récits. Hein. Les accidents de la route, c'est les plus opulents. Dans les morts brutales, c'est là où il y a le plus de récits de NDE. Tu pars et tu reviens. Exact. Ouais, impressionnant. Ouais, bah, pour les sujets des histoires bizarres, bah, je peux vous en raconter quelques-unes, si je me rappelle. Les histoires j'ai déjà été possédé. Attends, juste à vous, si tu peux. Attends, j'ai un fil rouge, parce que j'invite les gens aussi qui sont sur le chat à exprimer leur expérience paranormale. Et j'ai un fil rouge, donc j'ai une dame qui est en train de. Enfin, j'ai une femme qui est en train de m'expliquer un de ses rêves. Et je voudrais juste te lire vite fait et après je te laisse la parole. Pas de problème. Ok, pas de problème. Donc, alors, hop. Donc, je vais essayer de le raconter car je trouve génial ce rêve. Grâce à mon rêve, uniquement grâce à lui, j'ai trouvé du travail. Hop. Alors, non, c'est pas ça. Alors, attendez, j'ai la suite là qui va venir. Ta-ta-ta-ta-ta. Voilà. Alors, j'ai rêvé que je rentrais dans une agence intérim avec qui je travaillais. Et je voyais la même personne qui s'occupait de moi et me dire... j'ai bien une mission, mais je ne peux pas vous la proposer. Elle est un peu loin et vous n'avez pas de voiture. Et dans mon rêve, je lui disais, j'ai un vélo et je peux y aller. Alors que j'avais pas encore de vélo. Alors, elle m'a dit d'accord, je vous donne la mission, et elle a rempli la mission et m'a dit de me présenter au contremaître. Alors, j'ai donc rencontré le contremaître qui m'a expliqué la mission et m'a demandé comment vous venez. Je me suis senti mal. Senti mal. Merci, merci. Il manquait un S. Alors, et il n'y a pas la suite pour l'instant. Ah si. Ah, c'est un... Voilà. Attends, j'espère que je n'en ai pas sauté. Non, j'en ai sauté. Attendez. Parce que c'est dommage avec le chat, des fois. Ça... Voilà, c'est ça. Je me suis senti mal, je descends un petit peu. La suite, elle est bientôt. Elle est là, voilà. Donc, j'ai dit au contremaître que je pouvais venir en vélo. Il m'a dit... Non, vous pouvez venir avec le bus de la société. Il passe le matin à 5h30 devant chez moi et vous ramène pour le retour. J'ai donc dit à la société d'intérim, qui ne le savait pas, que la société avait un bus d'entreprise qui pouvait prendre des personnes. Donc c'est ça en fait la conclusion. T'as rêvé d'un truc, c'est ça. Donc t'as rêvé d'un truc qui était en fait réalisé. C'est-à-dire que dans ton rêve, t'as eu le contre-mail, t'as dit qu'il y avait un bus et eux ne savaient même pas qu'il y avait un bus. Non, non. Dans son rêve, elle a dit qu'elle avait un vélo à la société d'intérim, qu'elle n'avait pas encore de vélo. Et quand elle a été voir le contremaître, si je ne dis pas d'erreur, d'après ce que j'ai pu lire en même temps que tu lui as l'énoncé, ben, le contremaître lui a dit ben, « Vous n'avez pas besoin de venir en vélo. » Donc, elle n'a pas eu besoin d'acheter de vélo parce qu'il y a un bus qui prend les ouvriers de l'autre… Enfin, devant leur maison pour les amener à l'entreprise. Voilà. Mais tout ça, c'était dans un rêve, en fait. C'est ça qu'elle expliquait. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'après, dans l'agence intérim, justement, qu'elle a rêvé qu'elle y allait, et là, l'agence intérim a donc pu donner des missions à d'autres personnes qui ont pu travailler. Donc, non seulement elle a trouvé du travail, mais elle a fait trouver du travail à des gens en plus. Ouais. Elle a fait savoir... Et apparemment, le contremaître, elle l'a vu dans ses rêves, si j'ai bien saisi. Hein, réponds-moi, s'il te plaît, le cœur qui résonne. Non, je pense que là, c'était du concret. Non, mais la déduction que j'en fais, quoi. Donc, c'est pas ce que j'en fais, moi, comme déduction. Bon, ça va, après. Par contre, si vous voulez des histoires comme ça, moi, je fais pas de rêve, mais je parle à voix haute. Et je crée assez facilement. Ma réalité, celle de mes enfants, ils m'en veulent d'ailleurs. C'est genre, je veux pas que ma fille elle sorte un soir parce qu'ils vont tous rentrer bourrés à 30 km. Et il se trouve que ce soir-là, bah, le bar a fermé.
juste ce Ah soir-là. ouais. Ah, c'est une poisseuse, quoi. Non, je vais aller chercher ma fille à vous expliquer. Ça fait des années qu'elle m'en veut. Elle a quitté Toulouse à cause de moi parce qu'il y avait des attentats en chez elle. C'est plus le moment de vivre en ville. Je pense qu'il faut faire un gros distinguo entre ce qu'on met dans le mental et ce qu'on met dans le cœur, parce que le cœur, c'est électromagnétique et ça attire ce qu'on crée dans nos perceptions. On peut analyser les événements, etc., mais il faut que ça reste dans le mental. Il ne faut pas le mettre dans le cœur, il ne faut pas le mettre dans l'émotionnel, parce que sinon, on leur donne de la puissance à ces événements, à ces entités. Moi, je ne sais pas trop comment, je ne sais pas quoi. Mais j'en suis de plus en plus sûre parce que ça fait 15 ans que je joue avec ça maintenant. Effectivement, j'arrive à décider des choses. C'est pas vraiment exprès, hein, j'avoue, parce que ce que j'aimerais vraiment, j'y arrive pas. Mais ce qui me fait vraiment peur, j'arrive à faire obstruction. On me traite même carrément, on me dit arrête de jeter le mauvais œil, tu vois. Je m'en fiche, je sais pas encore comment ça marche, mais ça marche. Alors, juste que je réponds à Tarso Boruto, il me demande qu'est-ce qui est paranormal pour nous? Tout ce qui n'est pas explicable ouais, c'est ça. Par la science, voilà, tout simplement. Alors, juste là, il y a le cœur qui résonne. Alors, vas-y, fais le test pour voir. Vas-y, dis-nous. Vas-y, le cœur qui résonne, parle pour voir si ton micro il marche ou pas. Vous m'entendez? Oui. Oui, on t'entend bien. Vous m'entendez comment ça grésille pas? Non, là, c'est bon. C'est pas comme sur Discord, là. Ah, bah, tant mieux. Je savais pas, parce que l'autre fois, hein, ça marchait pas. Hein. Ah ouais, c'était horrible. Bah, attends, bouge pas. Il y a Abou Donner, il avait un truc à nous raconter avant, et après, je te laisserai la parole, le cœur qui résonne. Je suis content que tu sois avec nous. Merci. Vas-y, Abou Donner. Bonsoir aux arrivants. Au fait, il y a plein de petites histoires, mais déjà, je vais commencer par une histoire de possession. Vas-y. Je l'ai vécu et je me rappelle vraiment, au fait, de toute la chose. Comme un œil extérieur qui regarde, en fait. Et c'est réel, en fait. Hein. Ceux qui disent que la possession et tout, ça n'existe pas. Franchement, en tout cas, je l'ai vécu. Et j'ai été, moi, perso, j'ai été aidé par des imams. Et je sais que d'autres chrétiens, par exemple, ils vont être aidés par des prêtres. Ou même des juifs, ils vont être aidés par des rabbins. Tout le monde va être aidé par sa voix, je pense. Et je vais vous raconter. Je me suis retrouvé, en fait, avec grave. C'était au bled, j'avais attrapé ça, je pense. J'étais au bled, je me sentais pire que mal. Et j'avais des sensations que j'allais mourir. Ça avait commencé comme ça. C'est-à-dire, je me disais, ah non, mais là, je vais avoir un problème pour respirer. Et je touchais mon cou. Et quand je touchais mon cou, il gonflait. Et quand je disais à quelqu'un, touche mon cou, il me disait, mais t'as rien. Et ça baissait. Je suis parti voir le médecin. Quand la main, elle s'approche, le truc, il se baisse. Je dis, attends, c'est quoi ce truc? Je vais, après, je commence à rentrer en parano, ouais, je peux pas respirer, je peux pas truc. Ensuite, je rentre en France, je vais à l'hôpital. J'ai déjà des problèmes de santé à côté, je suis diabétique. Et là, je suis rentré à l'hôpital, j'ai dit, je vais faire un check-up complet. Et en même temps, je vais faire des analyses et tout. Je me sentais pire que mal. Au fait, j'étais fatigué, j'avais envie que de dormir. Je sentais la sueur. Ça, c'est un truc aussi, c'est un des signes aussi que la personne a quelque chose. C'est quand la personne, par exemple, elle vient de se doucher, pas très longtemps après, il sent la sueur. Ça, c'est un des signes que j'avais moi. Et je me sentais déprimé, j'avais des hauts, des bas, j'étais pire que pas bien. Et je me retrouvais dans ma chambre à lire le Coran.
Et dès que je prenais, je tournais une ou deux pages, ben je m'endormais. Je faisais que des siestes toute la journée. Même ma femme, je voyais plus ma femme, mes enfants, je ne voyais plus rien. J'étais enfermé comme ça. Et d'un coup, je me dis, je vais regarder sur Internet, j'ai regardé signes de sorcellerie, de sorcellerie, des trucs comme ça. Et là, j'avais toutes les caractéristiques. C'est-à-dire, j'avais tous les symptômes. Quand je regardais les symptômes, j'ai dit, attends, je suis même parti voir ma femme. J'ai dit, regarde, là, j'ai vraiment tous les symptômes. Et là, par la grâce de Dieu, un ami à moi, je lui dis, il me dit, mais non, c'est dans ta tête et tout. Il me dit, c'est dans ta tête. J'ai été voir un imam carrément, un imam en France. Il m'a dit, non, maintenant, on ne fait plus d'exorcisme. Maintenant, il faut d'abord aller voir le psychologue. Et attends, c'est quoi ce truc de ouf? Et carrément, il m'a dit ça, l'imam, là où j'habite, il m'a dit, on ne fait plus d'exorcisme. Il y a un savant qui a dit qu'en vrai, que 80, je ne sais pas combien de pourcents, c'était que des trucs psychologiques, donc il fallait aller voir un psychologue. Et après, je suis parti au bled, et là, il y a l'histoire de comment c'est sorti, et les trucs de fou, l'histoire de ouf. Si vous voulez intervenir, si Freddy, tu veux intervenir. Non, c'est intéressant. Juste pour vous préciser, il y a une armée de trolls, là. Enfin, il y a trois trolls là, qui sont venus, là, et encore un quatrième. Je snipe à vue, là. Tu n'es pas apprécié à bout de nerfs, hein, je te le dis. Hein. C'est pas ça. C'est surtout que sur ma chaîne, en fait, je les ai tous bloqués, je les bloque. C'est-à-dire que là, ils doivent se sentir libres, là. C'est ça. Non, mais à bout de nerfs, ça me résonne parce que des fois, j'ai chopé le démon après des temps et à chaque fois, il leur arrive malheur. Alors, je me suis dit, merde, moi, je n'ai pas voulu, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a à pas t'arriver. Ouais. Ok. Les histoires sont vraiment à fond, mais il leur arrive malheur et pourtant... Je méfie depuis des années, je dis à mes proches, raconte pas ma life parce que je veux pas de la pensée des autres. Je sais que c'est dangereux, la pensée des autres. Et moi-même, des fois, je sais pas. Peut-être que j'ai envoyé des mauvaises choses. En tout cas, il y a eu des gens dans mon entourage, mes voisins ou quoi. J'aurais jeté, je sais pas, j'étais en colère et il aurait arrivé. Merde. Donc je fais super gaffe maintenant. Donc ouais, il y a peut-être des trucs oui. qui nous échappent. Il y a vraiment un monde de l'invisible qu'on ne voit pas, mais il est réellement là. Carrément. Un monde invisible, des fois côté bon, des fois côté mauvais. Ouais, carrément. Voilà. Et c'est vraiment réel. Ben là. Après ça, je suis parti au bled. Ouais, parce que j'ai eu deux histoires. Mais là, je vais vous raconter quand je suis parti au bled. Je suis parti chez moi au bled. Et j'étais vraiment touché. Là, j'allais vraiment craquer psychologiquement. J'arrivais plus à gérer. Je me sentais vraiment pas bien. J'arrive là-bas. Et là, il y a un imam, il vient, un imam à côté de pas loin de chez moi. Il vient, il me récite le Coran. Et là, on se rend compte qu'il y a un problème. Bah, déjà, je commence à pleurer. Déjà, il récite le Coran, je commence à pleurer. Tac. Ah ouais, après, ensuite, il récite le Coran. Il y a ma main qui se lève. Et elle fait quoi, ma main? Et c'est pour ça, là, j'ai grave un problème avec ce truc. C'est que ma main, elle faisait quoi? Elle faisait des cornes du diable, comme Jul. Voilà. Le œil du métal, tu vois ce que je veux dire. Quoi. Exactement. Elle faisait ses cornes. Et là, il récite, il galère grave. Et il arrive à le sortir. Pas qu'il sort, mais
Tu vois, il n'y a aucun contact. Genre, moi, j'ai pas parlé ou j'ai pas quoi que ce soit. C'était juste. On sentait qu'il y avait un problème. Tu vois, par exemple, je faisais des bruits de ça me brûle, trucs comme ça. Mais j'étais. Au fait, j'ai quand même. Moi, il était conscient à regarder. Et c'est ça le truc. Voilà. Ça, c'est le premier. Ensuite, un autre. Et ça changeait. Par exemple, là, il y avait les cornes. Un autre, c'était les triple 6. Et j'en avais plusieurs. Un autre, c'était les triple 6. Et là, au bout d'un moment, ça, je commence à aller mieux, mais il en restait un. Il en restait un qui me. Genre, par exemple, je sentais un. Ce que je sentais, moi, dans mon être, c'est que j'allais voir une personne en face, et cette personne, ben, elle me disait ce que je ne voulais pas entendre. La phrase pile poil que je ne veux pas entendre. Comme si le truc, il allait le voir et il lui disait, dis-lui ça. Tu vois? Et je commençais vraiment à. Je commençais vraiment à péter un plomb. Et le dernier qui est sorti, celui-là, c'était vraiment le plus chaud. J'en pouvais plus. Jusqu'à. Ils ont changé d'imam. Ils ont changé d'imam 3 fois, en fait. C'était mes parents. J'étais avec mes parents. Ils ont changé. Au premier imam, il m'en a sorti peut-être deux. Le deuxième. Il en a sorti peut-être deux. Le troisième, il en a sorti un. Et l'autre, il n'arrivait pas à le sortir. En fait, à chaque fois, je faisais des cornes, je faisais des trucs comme ça. Chaque fois qu'il récitait le Coran, mais il n'arrivait pas à le sortir. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, des fois, le truc, il reste là. Tu peux rien faire. Et là, j'ai craqué. Là, je commençais à craquer. J'ai fait quoi? Bah ouais, chez lui, là c'était là quand la dernière prière que j'avais fait chez lui, le dernier exorcisme. Vous savez quoi? Le truc, l'imam il récitait, j'étais là, il y avait mon père à côté de moi, l'imam il récitait, et d'un coup, moi ça commençait à me brûler, et je lève le doigt, genre c'est bon, j'atteste que Dieu il est unique, je lève le doigt. Et moi-même, mon moi, il lui dit, ça y est, c'est bon. Le truc, je lui dis, ça y est, le truc, c'est bon, là, il atteste, là, il veut sortir, laisse-moi tranquille. Tu vois, ça me brûlait. Là, même mon père, il s'est mis à être pas bien, là. Je lui dis, même lui, je le regarde, je lui dis, non, ça me brûle pas, moi, tu vois. T'inquiète pas, je sens même pas. Et tu sais quoi? Là, flippant. L'imam, il me dit quoi? Il me dit, et ton pied, là, c'est normal. J'avais le doigt levé. Pour lui montrer que genre le démon genre il voulait sortir et le pied il s'était mis en forme de corne genre le pouce d'un côté et le petit doigt de l'autre et tout le reste plié alors que tu peux même pas le faire tu vois même là tu le prends tu même t'essayes de le faire avec du scotch Ouais. J'ai c'est une essayé là, chose j'ai essayé. impossible J'ai essayé. enfin, impossible tu peux pas et ben je te jure que j'avais les deux doigts là, un d'un côté et un d'un côté, ils étaient en I. Et genre, le démon, il faisait exprès, mais le pied, il faisait quand même l'adoration au diable. Et là, c'est là où l'imam, il a dit, bah, vous avez vu, bah, voilà, des fois, ça reste. Et là, j'ai craqué, je commençais à pleurer et tout, j'en pouvais plus. Et là, ça, c'est le dernier soir je vais pour dormir. Et il me laissait pas dormir du côté droit. Dès que j'essayais de dormir du côté droit, il venait, ça me faisait dans l'oreille, bouh, mais un gros bouh, flippant. J'ai dormi tout seul dans un étage en plus, flippant, un truc à te rompre les os, un bruit de malade dans l'oreille, bouh. Et je me réveillais. Je disais, attends. Et là, un moment, il me réveille. Je fais quoi? Je dis, ça y est, c'est bon. J'ai pris le tapis de prière, j'ai commencé à prier, prier, prier. Je suis parti dormir. Et quand j'ai dormi, ben j'ai fait un beau rêve où, dans le rêve, je me nettoyais. Et quand je me suis réveillé, je suis reparti voir l'imam pour une autre séance. Il m'a dit, bah, t'as plus rien. Et ben, en fait, c'était pas lui. À la fin, ben c'est un rêve. C'est Dieu qui m'a aidé à travers un rêve. À la fin, le dernier, celui-là, et c'était vraiment. J'étais vraiment observateur de la scène du début à la fin. Voilà. J'ai fini mon histoire.
Peut-être des autres, mais je vais vous laisser parler. Attends, juste là, je vais introduire mon ami Dédé. Et surtout, là, je dis, il y a un troll qui s'appelle le partage du savoir que je viens de bannir. Ça m'a fait rire. Ouais, ouais, ça va, Dédé? Salut, Dédé. Salut, ça va. Coulou, crédit, cœur raisonnable et à bout de nerfs. Eh ouais, salut à toi. C'est très bien. On sait très bien qu'il y a un monde invisible. Là, je le disais tout à l'heure, la preuve, les élites, les stars, elles font des pactes. Ouais. Elles font des pactes avec eux. Et ce que tu es en train de raconter, c'est ce qu'on appelle une entité ou un djinn. Enfin, un chétan plutôt, parce qu'un djinn, il ne fait pas ça. Il y a des bons et des mauvais. Quand il tombe amoureux de toi ou il ne te lâche pas, c'est un truc de malade. C'est très compliqué de. Seul, justement, mais sans retourner à notre créateur, à l'unique. Et voilà, quoi. Il n'y a que ça. Hein. Les paroles véridiques, c'est comme si ça les brûlait, tu vois. Ils n'aiment pas entendre ça. Donc, voilà. Alors, ça va. Merci d'avoir bien résumé la chose. Voilà. Non, c'est clair. Le jeans, c'est la prière. Il y a des bons, il y a des mauvais. Un bout de nerf. La prière à. Oui. Enfin. Quand tu as fait la prière, je pense que ça a appelé, on va dire, pouvoir divin, enfin, je ne sais pas comment dire ça. Et donc, bah, tu as fait ce rêve-là, mais mon avis, c'est surtout le fait que tu aies eu le réflexe de faire la prière qui t'a aidé, je pense, en plus. Tu vois ce que je veux dire ? C'est surtout, tu veux que je te dise la vérité, ce que j'ai senti, c'est que ça y est, là je pense que Dieu, il a compris que si il ne m'aidait pas, là, ça allait finir en suicide ou en dinguerie. Ou... Tu vois ce que je veux dire ? Là, c'était ouais. La limite. Limite, et j'en pouvais plus. Alors juste là, on va en profiter, là, il y a un petit creux, là, il y a le cœur qui résonne, je te remets ton micro, parce qu'il y avait un petit grésillement, j'espère que ça va bien marcher, et je te laisse la parole, le cœur, vas-y. Vous m'entendez ? Ah, là, ça regrésille. Ça grésille, ouais. Ça regrésille, ça marche bien. Elle n'est pas connectée à deux endroits ? Non. Enfin, c'est quoi, non ? Non, non, c'est justement ce qu'on disait tout à l'heure, qu'elle avait un souci avec son Discord, et là, bah, ça refait la même chose, alors que tout à l'heure, ça ne le faisait pas, c'est marrant. Alors ça, c'est un problème périphérique, c'est-à-dire que c'est le micro qui est défectueux. Ça doit être soit derrière, à force de bouger, ou peut-être la prise de ton micro quand tu connectes, ou alors, si c'est un ordinateur portable, ton micro qui est défectueux. Ou alors, non, attends, est-ce que tu veux nous dire un truc ? Est-ce que tu as branché l'alimentation pour recharger ton ordinateur, là ? Non. Non, parce que des fois, ça me faisait ça, moi. Quand j'enregistrais du son, avant, je faisais du son. Quand je branchais, vraiment horrible, là. Et donc, quand je branche... un petit parallèle ? Ah, pardon. Vas-y. Mais le parallèle, c'est très simple. Hein, vu qu'on est des créatures du créateur, fait à trois quarts essentiellement d'eau, et l'eau, c'est un émetteur-récepteur. Donc parfois, dans la vie, quand on se sent pas bien, on est stressé, on fait des mauvaises choses, eh bien en fait, il y a des choses mauvaises, entre guillemets, nous, chez les musulmans, on appelle ça des djinns, des shayatins, tu vois, des djinns qui sont un petit peu négatifs, comme il y a des hommes qui sont du côté du mal, tu vois, mais c'est la même chose. Et en fait, ils ressentent cette énergie-là, et comme on dit, c'est un récepteur, eh bien, ils peuvent rentrer en toi. La preuve, vous faites des recherches sur ce qu'on appelle le MKUltra, vous faites des recherches sur les nazis, sur les entités, sur la CIA, la création du LSD. En fait, c'est pour faire entrer des entités négatives, mauvaises. La preuve, vous avez des stars, vous les voyez, carrément, ils ont trois personnalités, comme Nicki Minaj, tout ça, carrément. Oui, il y a un garçon, l'autre, c'est un truc, c'est des trucs de dingue. Les gens, quand vous n'êtes pas conscient de ça, ça vous ne fait rien, puisque en fait, c'est comme si vous vous éloignez du créateur. C'est important, ça. Quand vous êtes bon dans votre cœur, vous ne craignez rien, quoi qu'il arrive. Il faut toujours s'en remettre au créateur et toujours être, on va dire, fort dans la tête. C'est important, ça. Quand tu es fort psychologiquement, tu sais qu'il y a le créateur, qu'on ne descend pas du singe et que, bon, c'est pas le sujet, mais bon, voilà, c'est un petit peu lié quand même avec tout ce qui est les entités démoniaques, puisqu'en fait, elles sont sous l'aile. On sait très bien qu'au début de la création, il y a une entité qu'on appelle Iblis, vous l'appelez comme vous voulez, le diable, Baphomet, il a plusieurs noms. Il a juré de ramener le plus dans la perdition avec lui. Et sous ses ailes, il a ses ailes, c'est pas bien de dire ça, parce que voilà, façon de parler, c'est une métaphore. Ne pas confondre, c'est pas un ange, hein, c'est un djinn. Hein. Et
Et en fait, il bosse pour lui. Voilà. Soit ben, en nous amenant à faire du mal, c'est ce qu'ils veulent en fait. Hein. La plupart de nos élites, c'est pour ça que beaucoup dans la télé, il y a la sexualité, la drogue, l'appât du gain, l'argent, tous ces péchés, tous ces, on va dire, ces commandements qui sont divins et qui justement, à cause de ces commandements-là, pourquoi les 10 commandements? Parce qu'en fait, quand on est, si plus on rapproche de ces péchés, et forcément vous serez dans le mal, puisque ça vous ramène, par exemple, l'avidité, la soif de l'argent, vous pouvez faire des choses mal. Un exemple pour l'amour, la jalousie, vous pouvez faire de la sorcellerie, vous faites appel à des sorciers pour certaines gens ben, tombent amoureux de vous ou l'inverse. Et en fait, ça vous ramène du côté obscur. Et à cause de ça, ben, il peut y avoir des entités. Si vous êtes faible, à un moment donné, boum, et ben voilà, quoi, il y a une porte, quoi. Tout simplement. Ouais, j'ai fini mon... Merci Dédé. Alors juste, j'en profite, donc je vais remettre ton micro, le cœur. Juste, est-ce que tu peux me répondre à la question que je t'ai posée tout à l'heure? Est-ce que c'est dans ton rêve que tu as vu le contre-maître ou c'est après? Non, c'est bizarre. Si tu veux, j'ai rêvé. J'ai fait un rêve. Je rentrais dans une des agences avec qui je travaillais. Il y avait la dame dans mon rêve que je connaissais, hein, qui me dit, voilà, j'ai une mission, mais je ne peux pas vous la donner, vous n'avez pas de voiture. Et dans mon rêve, toujours dans mon rêve, je disais, vous inquiétez pas, j'ai un vélo, je peux y aller en vélo. Et elle m'a dit, dans mon rêve, bon, ben, je te donne la mission. Puis, bon, je ne pensais même plus, il y a 2-3 jours après, je rentre dans la même agence, je vois la même dame au même endroit qui me dit exactement la même chose. Je me suis même demandé si j'étais en train de rêver ou si j'étais, enfin, en vrai, quoi. Et elle me dit exactement pareil. Et quelques secondes, je me suis demandé si c'était un rêve ou pas, et j'ai eu comme un brouillard entre moi et elle, je ne sais pas pourquoi. Et puis tout de suite, j'ai pensé, mais non, c'est mon rêve qui m'a dit qu'il fallait faire ça. Et donc, j'ai fait comme dans mon rêve. J'ai dit, vous inquiétez pas, j'ai un vélo. Et donc, elle m'a donné la mission. Et quand j'ai rencontré le contremaître le lendemain, il m'a dit, mais non, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez venir avec le bus de la société. Donc, et en plus, il passait en bas de chez moi, pratiquement, à côté. Et comme ça, j'ai pu travailler. J'y ai travaillé un moment là-bas. Et j'ai pu leur dire à l'agence qu'il y avait un bus et qu'il y avait moyen de... Et du coup, elle a donné la mission à plein d'autres personnes. Parce qu'il y avait, c'était une grosse boîte et il y avait pas mal de missions. Mais elle ne pouvait pas envoyer les gens qui n'avaient pas de voiture. Et là, elle a pu les envoyer, quoi. Alors, j'étais contente. Mais c'est bizarre parce que ce rêve... Je m'en souviens encore, quoi. J'étais étudiante à l'époque, mais je m'en souviens encore parce que c'est trop, quoi. C'était exactement pareil que dans mon rêve. Alors, j'avais le choix. Je savais, quand je suis rentrée dans l'agence, en vrai, je me suis dit, je rêve ou pas? Et il y a ma petite voix qui m'a dit, c'est ton choix. C'est à toi de choisir. Et là, j'ai su que, voilà, je pouvais choisir soit de vivre mon rêve, soit pas. Et j'ai choisi de vivre mon rêve. Et ça a marché vraiment bien. Ok, merci pour cette précision, Lucas. Alors juste, parce que sinon, il y a une espèce d'écho aussi chez toi, donc je vais couper encore ton micro, désolé. Ouais. Ça marche. Vous avez entendu quand même mon rêve? Oui, on a entendu, c'est juste pour éviter que tout le monde s'en aille. C'est un rêve prémonitoire. Ouais, c'est bizarre, ça. Hein. Ah ouais, bah oui, mais c'est paranormal, donc c'est dans le thème. Merci pour ton témoignage. Juste, exactement. Quand tu parles pas, il faudrait que tu appuies sur mute tout en bas à gauche pour éviter que ça grésille quand je parle aussi. Ah, attends. Merci. Comme ça, c'est toi qui gères ton micro. Et comme ça, quand tu as envie de prendre la parole, bah, on entendra que tu voudras parler parce qu'on entendra déjà grésiller au loin. Voilà, ça marche. Donc, mais non, il est clair là. Là, donc, je l'arrête et vous ne m'entendez plus. Là. Voilà, c'est ça, c'est ça. Non, je ne dépasse pas mieux. Alors, vas-y, Sidonia, sur ton mal, parle plus fort. Non, je disais, ma fille me dit, ouais, tu n'as pas encore coincé avec tes potes jusqu'à 3h du mat. Je disais, non, en ce moment, je suis sage. Elle est jolie. Et après, il y aura l'after sur mon Discord. D'ailleurs, à bout de nerf, je te mets le lien de mon Discord si tu veux le rejoindre aussi. Je sais. Je ne connais pas bien le Discord, en fait. J'avais essayé, j'ai rien compris. Et je vais t'expliquer, franchement, c'est très très intéressant
Et comme ça, on va pouvoir un petit peu discuter en privé tranquillement. Ok, pas de problème. Je le remets dans le chat et je le remets dans le chat privé, comme ça, tu auras juste à cliquer en partant. Ok, mais quand je clique, après, pour moi, pour que je télécharge un truc derrière. C'est sur un portable ou tu es sur un ordinateur, là? Sur un portable. Oui, il y a une application à télécharger, ouais. Voilà, ok. Mais le blème, c'est quoi? C'est que j'en avais déjà ouvert un. Ça veut dire que ça va me demander mon ancien code que j'ai plus, je crois, tu vois. Ou c'est un délire comme ça, je crois. Mais je vais essayer, vas-y. Avec une autre adresse mail, au pire, si tu as une deuxième adresse mail. Ok, d'accord. Ouais. Je crois même que c'est pas avec le téléphone portable, c'est avec l'adresse mail. Mais après, normalement, tu peux faire un mot de passe oublié. Ils vont te l'envoyer sur l'adresse mail que tu avais donné avant. Mais oui, moi, ça m'est fait okay. Ça aussi. J'avais ouvert le Nickel, Discord. Ben ouais. Avant de revenir chez Freddy, j'ai tout retrouvé facilement. Alors juste là, il y a Mr. Green, le Madi, qui est avec nous depuis tout à l'heure. Il a sauté c'est déjà. C'est un troll. Ah, c'est un troll? Oui, c'est un troll qui... C'est un troll qui en veut un vrai Mr. Green, le pauvre. Le Mr. Green, il est super gentil. Et il se fait troller par quelqu'un qui dit ça là partout. Et il vient, il parle jamais. Ou il va faire un bruit de démon là. C'est ça. Et, ok. Et hop, Merci à vous. Merci. Comme de ça, rien faire. Ouais, j'ai repéré son nom. Tous les soirs, il est là. Parce que là, j'ai eu de tout. Là. J'ai eu chez Ethan Président. J'ai eu plein de trucs chelous là tout le long. Là. J'ai dû niquer au moins une dizaine de trolls là. Donc, Abouloulou, non, il n'y avait pas Abouloulou. Non, je n'ai pas eu Abouloulou, non, pas alors, encore. Ah, bah, il va t'attarder alors. Là, tu le vois, tu le tires à vue d'œil. Et il y en a qui travaillent, il y en a qui bossent pour le Chétan à leur insu. Ils croient que c'est un jeu, mais en fait, voilà. Mais, je peux dire un petit truc là, pour ce que tu viens de dire là. En réalité, il y a quelque chose, franchement, c'est grâce à toutes les discussions qu'on a et tout que j'ai compris ça à la fin, c'est quoi? C'est que, en réalité, ils bossent pour des entités. Ces entités sont invisibles. C'est des démons. Ces démons, ils ont un papa. Ce papa, c'est le diable. Ce diable, il en veut à Adam, depuis le début. C'est son ennemi. S'il pouvait le charcuter, il charcuterait. S'il pouvait le découper, il découperait. S'il pouvait le brûler, il brûlerait. Et eux, c'est comme si tu dis, c'est des collabos contre eux-mêmes. En fait, l'entité que là, tu es en train de l'aider, par exemple Macron, qui est là, qu'aide ces entités à massacrer l'humain. Il oublie lui-même que c'est un humain. C'est vraiment impressionnant. En fait, par exemple, ça explique que, par un exemple, Macron, je prends lui comme exemple, ben, à l'intérieur de lui, c'est pas un homme. Il n'y a que l'entité. Pourquoi? Parce qu'il tue des humains. Tu ne peux pas tuer l'humanité, tu es humain. C'est ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et justement, bon, je ne vais pas parler de religion, mais cette partie du verset, elle décrit parfaitement ce que tu veux dire. C'est à un moment donné, le créateur, Allah, ou vous l'appelez comme vous voulez, Dieu, j'ai du mal parce que Dieu, ça, on peut le mettre au féminin, masculin, déité, tout ça, bon bref, c'est un autre sujet. Il vous posera une question. Est-ce que vous étiez proche ou éloigné de votre shaitan? C'est-à-dire qu'en nous, on a tous une partie mauvaise. Et est-ce que il te posera la question, est-ce que tu étais proche ou éloigné de lui? Voilà. C'était juste pour confirmer et dire que tu étais en train de dire à bout. Merci à toi. Dédé, il y a le cœur qui aimerait bien te parler. Non, qui aimerait bien parler. Donc vas-y, on te laisse la parole, le cœur, vas-y. Non, je voulais dire à Dédé qu'on peut aussi être possédé, comme ils disent, mais par beaucoup mieux que les démons. Et eux, ils ne vont pas nous le dire. Hein. Et on peut être possédé par l'amour, on peut être possédé par plein de bonnes choses. Et eux, ils nous possèdent pour nous faire du mal, mais ils ne savent pas, ou s'ils savent, ils ne vont pas nous le dire. Mais on peut être possédé par vraiment infiniment mieux que ces démons. Hein. J'ai du mal avec ce mot possédé, tu vois, possession. Pardon. Vas-y. Non, là, parce que là, ce que tu as dit, c'est un peu dangereux.
Parce que tu as dit possédé par exemple par l'amour, par plein de choses. Ça veut dire on peut être possédé aussi par bah, l'amour de l'argent. Et là, ça devient. Non, Non, mais ouais, non, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est le mauvais pôle, quand même. Pourquoi? Parce que si quelque chose nous possède. Non, en vrai, il n'y a rien qui nous possède. Il n'y a que Dieu qui nous possède normalement, à la base, tu vois, même si je parle en mode croyant, tu vois, mais mais quand même c'est dans la logique, tu vois, pour moi, comme peut-être pour des chrétiens, comme pour des juifs, il n'y a personne. on est, je sais pas si on est majoritaire, mais voilà, dans Alors, les moi je suis croyants, pour chrétienne, nous. hein. Moi je suis Ah, chrétienne. bah, ok, bah, d'accord, bah, alors c'est juste une mauvaise compréhension que j'ai entendue de ta phrase. Désolé. Non, moi je suis chrétienne. Je crois beaucoup en Dieu. Mais je suis chrétienne. Et c'est Bah, vrai par que. exemple, Jésus, il a dit, il n'y a pas de place dans un cœur pour deux dieux. C'est ou soit l'argent, ou soit ou soit Dieu, ou soit l'autre dieu de l'argent. Ouais, c'est vrai. Oui. C'est vrai, moi je l'ai souvent senti ça. C'est un choix. C'est notre choix. Ah oui, C'est un Sidonia, choix. tu voulais rajouter un truc, Sidonia? Ouais, mais non, Dieu, il n'a même pas dit ça. Et c'est d'où ça sort, ça? C'est qui a dit par rapport à ce Sidonia. qu'il a dit le frère? Dieu, il a dit ci ou il a dit ça, mais non. Non, Dieu, il a rien dit du tout, en fait. à nous de. On est dans la foi ou on l'est dans les pas. Et en fait, c'est vite vu, en fait, les valeurs. Hein. Il y a pas d'histoire. C'est pas l'amour de l'argent. Ça n'existe pas. Ces deux mots, c'est antagoniste, en fait. C'est le désir de l'argent. Et le Ouais. désir, c'est pas Dieu, en Faut fait. pas confondre le plaisir et le désir. Je suis bien d'accord. Oh, voilà. Mais non, Dieu, il n'a rien dit du tout, en fait. Le plaisir et l'amour, ça peut être ensemble, mais Il a ça n'a rien à voir. fait par le verbe, mais faut pas tout confondre. Ouais. Il faut arrêter de prêter des paroles à Dieu qui n'en sont pas, en fait. Par exemple, là, si on se retrouve possédé et qu'on sort une parole, que ce soit de la Bible, de la Torah ou du Coran, Rester possédé. qui déglingue le démon, ces paroles, elles viennent d'un homme qui nous les a apprises? Non, Non? attends, tu crois que tu es possédé, déjà, c'est pas Dieu, en fait. Dieu, il te laisse libre. Ouais. C'est la base. Non, non. C'est forcément la séduction, c'est toutes les choses qui sont. Mais t'as pas saisi ce que voulait dire aussi. T'as pas saisi ce qu'il voulait dire Abou Sidonia. Voilà, je sais pas, vas-y, dis-moi. Non, non, bah, ce qu'il veut Reformule. dire, c'est ce qu'il veut dire, c'est que les paroles qu'il y a dans le Coran, dans la Bible et dans la Torah, c'est obligatoirement donné par Dieu, même si ça a été écrit par la main de l'homme, parce que ça a un effet sur les entités qui peuvent nous posséder. C'est ça qu'il disait en fait. C'est ça, Abou. Merci, Président. Merci. D'accord, oui. Mais en vérité, au fond de soi, on sent qui on est. Et on n'a pas. Enfin, moi, si j'ai un désir d'argent, je sens que c'est pas chouette. Tu vois? Je Oui, sens que c'est. mais tu n'es pas la majorité, Sidonia. Non, mais dis-moi, mais j'en ai parlé avec des tas de gens. Et. Oui, mais je vois ce que tu veux dire. Mais voilà, toi, tu as un sens affûté, alors qu'il y en a certains. Et moi, par exemple, j'étais un mouton. Enfin, j'aime pas ce mot. J'ai été totalement dans le système jusqu'en 2012. Et donc, sans le vouloir, j'écoutais du métal. J'étais sataniste sans même m'en rendre compte. Et donc, bah, j'aurais très bien pu, ça aurait très bien pu m'arriver. Heureusement, j'ai eu de la chance, peut-être parce que bah, j'étais peut-être quand même dans le bien, mais à côté de ça, je faisais des trucs pas bien. Tu vois ce que je veux Oui, mais moi aussi, mais c'est pour te dire que justement, en fait, quand tu es vraiment dans la foi, ça ne peut pas t'arriver. Tu réalises, tu es attiré peut-être par la séduction, mais ça ne t'arrive pas parce qu'à un moment, tu fais le point. Je peux te dire un truc, s'il te plaît, c'est Sidonia, c'est ça? Sidonia, ouais. Là, si les livres, là, d'après ce que j'ai compris, c'est que tu penses que les livres, ce sont que les hommes qui ont écrit et tout, qu'il n'y a rien.
Mais, il y a un grand mais. Ce mais, tu sais, il est quoi? Il est, je te pose juste une question. C'est d'où vient-on? D'où vient l'homme? Et où va-t-on? Sans ces livres, tu peux pas répondre. Moi, ma seule question, c'est à la limite d'où vient ma foi? Pourquoi je suis née avec, en fait? C'est quoi cette foi? Pourquoi je suis née avec? Pourquoi elle me Mais tu guide? sais donc, tu sais pas d'où tu viens et tu sais pas où tu vas. Non, mais je lui fais confiance. Mais quand même, tu bah je sais pas. Je sais pas. Alors si toi, c'est juste ta foi que tu cherches, mais cette foi, tu la cherches comment en fait? Non, elle En la étant cherche pas. gentil? Elle l'a en elle. Elle l'a en Ouais, elle, ouais, c'est ce qu'elle vient de dire. Ouais. Il n'y a pas de c'est souci après. la foi. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, je vais juste changer un petit peu de sujet. Donc, on a Léo qui est avec nous. Ça fait au moins 5 minutes. Salut Ouais, Léo, tu vas bien? Léo. salut Léo. Salut. Ah, t'as coupé ton micro, Léo. Ok, Ah. pardon, excusez-moi. Bonsoir, parce que vous êtes en France, hein, je pense. Oui. Oui, on est en France, oui. En France, Et il est on 11 h est. Ben, bonsoir. Bonsoir tout là. le monde. Eh ben, Bonsoir. écoutez, les Bonsoir. jeunes, quel message positif pourrais-je vous donner? L'être humain, depuis la naissance jusqu'au moment où il quitte ce monde, est sujet à un truc qui est malheureusement terrible, la peur. Il a peur. L'être humain a peur. Et malheureusement, à cause de cette peur, il fait plein de choses qui sont parfois complètement aberrantes. Je vis dans la forêt, parmi les animaux. Et nous, là, bah, la religion, on ne connaît pas. Je rencontre quelquefois des autochtones, ce qu'on appelle les autochtones, c'est-à-dire les Premières Nations, les Amérindiens. Et quand on commence à parler de Dieu et tout ça, ils nous disent, ah ben nous, le grand esprit, ça reste un grand mystère. Puis point à la ligne. Ils ne se posent pas plus de questions. C'est tout. Et ils vont très bien. Ils vont très bien parce que la peur, ils l'ont pas. Ils vivent dans la nature, ils vivent dans la forêt. Ils ont des milliers d'années de générations derrière eux qui leur ont appris à vivre comme ça. Et moi, petit à petit, oui. T'es où? Allô? T'es où? Ah, moi, je suis au Québec, au Canada. Ah, ok. Allez, vas-y, Voilà. c'est bon. Voilà, Tribal Pursuit me connaît, je vis dans ce qu'on appelle une BAD, une base autonome durable, c'est-à-dire un endroit où je suis entièrement autonome en pleine forêt, à des kilomètres de la civilisation, et je vis dans la forêt bien, depuis maintenant 3 ans, parce que je suis à la retraite en invalidité, et je vis avec mes chiens, mes poules, enfin ma base. Et Allez. donc j'observe le monde, j'observe le monde depuis la forêt, parce que j'ai la chance d'avoir un pylône qui me permet d'avoir à quelques kilomètres d'ici l'Internet et de pouvoir vous parler. Et de vous remonter le moral. Alors donc voilà. Alors là, bah, écoutez, les enfants, ne croyez pas que vous êtes les premiers à vivre une crise. Avant vous, d'autres générations ont vécu des crises, hein, celles que Léo, de vos grands-parents, la 30-40. Léo, Oui. Léo. Alors, ce n'est pas le thème du live. Ah pardon, Le c'était thème quoi le du thème? live, le thème du live, c'est Okay, paranormal. C'est venez témoigner de vos expériences paranormales. non, mais c'est Oui. pas grave, laissez partir, on est à la fin. Non, non, Sidonia, j'ai Je vais y un arriver. planning. Il y a d'autres jours, on va en parler. Il sera invité, il n'y a pas de souci. C'est juste Ouais. là, on est sur le paranormal. Voilà, alors, au niveau du paranormal, moi, j'ai vécu une chose terrible. À 24 ans, je revenais de la guerre du Liban. Hein, j'étais militaire, je revenais de la guerre civile du Liban, dans un état complètement catastrophique. Un soir, je me suis saoulé, carrément saoulé à mort. Et je me suis jeté avec ma voiture sur deux poteaux téléphoniques en rentrant. Résultat final, j'ai été mort clinique pendant 2 jours. C'est-à-dire que pendant 48 heures, j'ai été déclaré à mes parents en tant que mort clinique sous assistance machine. Ils ont un certain délai, je crois que c'est 72 heures avant de débrancher les machines. Mais bon, moi, 48 heures après, pour X raisons, le système s'est remis en marche. Là, moi, je me suis réveillé, c'était un enfer. Et quand je dis un enfer, revenir à la vie, c'était un enfer. Et par la suite, j'ai eu un psychiatre qui est venu me poser des questions. J'étais à l'hôpital Mont-d'Or. Et il m'a dit, Lionel, as-tu des souvenirs de ces 48 heures où tu n'étais plus parmi nous? Et là, je lui ai dit, ben écoute, écoutez, docteur, moi, je ne comprends pas. Et c'est marrant parce que c'est sorti sans que je. Il n'a pas voulu parler avec moi. Il m'a dit, retourne d'où tu viens. Oh non.
Je ne veux pas parler avec toi. Retourne d'où tu viens. J'entends très bien la voix. Je ne vois pas quelle est la chose. Mais c'était clair qu'il fallait que je reparte dans l'autre sens. Oh, mais c'est affreux. Et je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Mmh. Et là, d'un seul coup, un flash lumineux et une souffrance que je ne peux même pas vous dire. C'est incroyable. Avec des cris autour de moi. Réveille-toi, 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 réveille-toi. Et moi, je ne voulais pas. Et j'étais en colère après la chose qui m'avait dit « Je ne parlerai pas avec toi, retourne d'où tu viens. » Mais je n'ai pas vu. J'ai pas vu de couloir, j'ai pas vu d'ange, j'ai pas vu de tout ça. Non, 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 non. C'était une conversation. Ça, je ne me souviens pas de l'entièreté de la conversation, mais c'était une conversation comme je n'avais jamais eue dans ma vie avec un être humain. Une conversation qui dépasse la conversation. Ok, ok. Bah, merci hein, Léo, très intéressant. Donc voilà, après chacun son expérience de mort imminente. Donc non, non, c'est très intéressant, très intéressant. Après, ben, si d'autres veulent réagir ou repartir sur une autre expérience que vous avez vécue, je remets le lien pour ceux qui veulent monter. Hein. N'hésitez pas, là, je suis encore là jusqu'à 11h30, voire minuit. Wow. Alors, il y a quelques années, et mes amis d'aujourd'hui me reprochent de ne pas l'avoir approfondi. J'avais tendance à sortir de mon corps et j'ai refusé. Donc, je savais qu'il fallait se charger. C'est-à-dire que je sentais des vibrations dans le corps, là, à l'endormissement. Enfin, j'ai même fait surtout des retours au début. Et je voyais des choses bizarres, une spirale dans ma tête, tout ça. Et je sortais de mon corps. Et moi, ça me fait hyper peur, ça. Je ne veux pas faire de voyage astral. Je ne veux pas sortir de mon corps. Et mes amis d'aujourd'hui me le reprochent. Ils disent, mais t'es con, t'as la possibilité de faire ça, tu ne fais pas. Mais ouais, mais non. En fait, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais perso, je ne suis pas incarné pour faire ça, en fait. Ah, puis même moi, Sidonia, c'est pareil. Ma femme peut faire des sorties astrales et moi, ça m'a toujours terrifié d'avoir ces expériences-là. Mais oui. J'ai vraiment, ça me fait une angoisse de m'imaginer sortir de mon corps. Bah ouais, j'ai pas envie de voir au-dessus de mon corps ou je sais pas quoi. Et donc je me relevais, j'allais manger, je fumais ma clope ou voire même un bédo à l'époque. Mais c'est mort, je ne veux pas partir. Par contre, j'ai fait des retours qui étaient vraiment impressionnants. Hein. Les retours, bon, on ne peut rien y faire, mais les départs, c'est mort. J'écoute, je me réveille, je me lève, c'est mort. Ah ben, je suis contente, Freddy, de t'entendre dire ça, tu vois. Non, mais moi, c'est la seule divergence que j'ai avec ma femme, c'est qu'elle... Elle peut le faire, elle a bien aimé le faire, et moi, ça me terrifie d'imaginer de le faire. Donc, ouais. Je n'ai pas du tout envie d'essayer. Vraiment, ça ne m'a jamais attiré. Bah moi, c'est pareil. Je me dis, je ne suis pas venue m'incarner pour faire ça, en fait. J'ai pas envie. Oui. J'ai pas envie. Je ne veux pas vivre ça, quoi. Mes copains, ils me disent... Si je peux me permettre, je crois que l'être humain, jusqu'à maintenant, là, a toujours joué sur le côté matériel et physique de l'être humain. Mais l'énergie, non. L'énergie, ici, est très peu intéressée. Et moi, j'ai eu un cas de figure un jour en allant visiter une tribu autochtone du côté du lac Édouard au Québec. Et là, je rencontre un monsieur qui avait un fils de 16 ans. Et il parlait pas du tout le français. Et je suis resté plusieurs jours avec eux. Et au moment de partir, j'ai dit, bah, écoute, dans ta langue, dis à ton fils merci. Et là, le fils me regarde, il parle dans sa langue. Et je regarde sa mère en disant qu'est-ce qu'il a dit. Et elle m'a dit, mon fils voit des choses et il a dit qu'il voyait beaucoup de lumière autour de vous. Et là, après, sur le coup, je n'ai pas trop compris. Hein. Sur le coup, j'ai dit, c'est quoi qu'il me raconte ? Bon, enfin, c'est pas grave. Après, j'ai compris. Après, j'ai lu des articles sur l'aura, sur l'énergie humaine et tout ça. Et on a une entité énergétique en nous qui existe et qu'on ne voit pas. Et pourtant, qu'on ressent.
Quelquefois, il y a des personnes qu'on ne connaît pas et on se sent attaché à elles, comme c'est incroyable. Ou alors, dans le sens contraire, elles nous répulsent. Oh, les gens qui font de la lumière, ça se voit grave. Oui. Et c'est ça le truc. Et l'énergie. Et l'énergie, elle est prouvée qu'elle ne, elle ne disparaît pas. Elle ne fait qu'évoluer constamment. Donc, dans notre statut physique, ben, on évolue jusqu'à la mort, bien entendu, à la fin du corps. Mais l'énergie, elle est toujours là. Non, et elle date pas... depuis. Non, tu as des fluctuances, hein, justement. Oui, mais... bah, appelle ça comme tu veux, oui, ok. Non, il y a des moments où elle baisse, elle remonte. Et, mais oui, effectivement, elle est visible. Quand tu croises des êtres lumineux, c'est plus fort que toi, tu dis « Oh putain, elle est lumineuse, elle !» Ou « il est lumineux. » C'est ça. Oui. C'est ça. Eh oui. Moi, on m'a déjà dit « Oh putain, tu fais de la lumière. Ah merde !» Et quand on me le dit plus, je me dis « Merde, ça y est, je me suis éteinte, là. Faut que je fasse quelque chose, quoi. » Ah mais moi, de toute façon, à partir du moment où j'ai compris il y a quelques mois ce que voulait dire le mot « apocalypse », parce que bon, moi, je ne connaissais pas ce mot, ça me faisait peur, ça me terrifiait. Et quand j'ai appris qu'en fin de compte, en grec ancien, ça veut dire révélation, eh bien là, la révélation de ce que nous sommes véritablement, les êtres que nous sommes d'énergie, que nous sommes véritablement, nous sommes en train de vivre actuellement. Ça t'a éclairé. Oui, oui. Et oui, et oui. C'est ça. Et oui. Et j'ai plus peur maintenant, je n'ai plus peur. Ce soir, je suis super heureuse. J'étais sur le live de Prune. Hein. On a eu des super échanges. C'est trop chouette, quoi. C'était un live ou une première? Une première, mais elle était là. On a parlé, quoi. Oui, moi, c'est pareil. Hein. Souvent, je suis avec elle. Elle est contente. Puis, elle a été super heureuse que j'ai fait un live spécial sur elle, quoi. Mais elle n'est pas dans ton Discord, tu sais quoi. Des fois, je me posais la question. Si. Elle est dans le Discord, mais elle a plus... Je crois que je l'ai éjectée parce qu'elle n'a pas le moyen de se connecter, en fait. Elle a un gros problème de connexion. Mais même, pourquoi tu l'as éjectée? Non, franchement, non. Il faut qu'elle soit là. C'est pas possible. Moi, je raisonne. Elle fait le boulot que je n'ai pas fait, en fait. Et j'ai fait la feignante, en fait. J'ai fait la, comment dire... Non, c'est elle qui a dû quitter. Je ne veux pas l'avoir jetée. Oh, ah, Prune. Oui, mais parce que justement, elle ne voyait pas l'intérêt du Discord, en fait, vu qu'elle n'arrivait pas à nous parler. Eh ouais, mais non. Elle a problème de connexion, c'est comme ça. On a essayé de faire des lives ensemble, mais ça n'a pas marché. Tu sais que j'ai des problèmes de connexion, putain, j'ai pas de box. Oui, mais elle, c'est encore pire. C'est-à-dire que c'est vraiment, ça hachure. L'image est saccadée. Enfin, il y a vraiment plein de trucs qui fait que elle a laissé tomber, quoi. Ça l'a saoulé. On va régler ça parce que ça émane d'elle. Tu sais, là-dessus, par contre, on n'en a pas souvent parlé, mais je suis persuadée que tout émane de soi. En fait, on crée notre réalité et on suis plus que convaincue. J'ai vraiment des explications. Moi aussi, je pourrais faire des petites conférences hein, à ma manière. Si elle est sur le Discord, Prune. 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 Enfin, parce qu'elle s'appelle Judith, apparemment. Ça, je sais pas. Eh ben ouais. Putain, mais je vais aller lui parler. J'ai son mail. Je vais lui parler. Je vais vous laisser, les enfants. Je vais vous laisser. Et je souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Des bonnes énergies, bien entendu. Et ayez conscience. Hein, votre vie n'a pas commencé à la naissance et se termine pas à votre mort. Vous inquiétez pas. N'ayez pas d'acrainte. Hein. Pas du tout. Ben, Léo, ça m'a vraiment fait plaisir de t'entendre parler. Juste, si tu veux voir ce que tu voulais dire là tout à l'heure, ben, viens sur mes prochains lives. Donc, abonne-toi à toutes mes chaînes, Freddy Cœur de Lion 1234. Et mes chaînes Twitch aussi, parce que je fais des lives. Et sur YouTube, on est censuré. Donc, quand je suis sur Twitch, on peut vraiment tout balancer. Ben, écoute, moi, tu sais, je suis un vieux bonhomme. Hein, j'ai 63 ans dans 3 jours. Alors, donc, moi, tous ces trucs-là, je t'avoue, franchement, moi, j'ai commencé avec un téléphone à l'épicerie, un gros téléphone noir. Alors, tu comprends. Il n'y a pas de souci. Tous les liens que je t'ai donnés sont dans la description. Donc, ça, merci, mon homme. Tu as tout. Merci. Et courage à vous tous. La lumière, on arrive au bout de la lumière. On va avoir la lumière bientôt. Ça va être merveilleux, je vous le dis. Moi, je vous le dis. Allez, bye. Bye, bye.
arrête de faire le vieux. J'ai rencontré une dame aujourd'hui qui va avoir 90 ans. Et elle dit, vous savez quand même, hein, vous avez vu hein, ce qui nous jette dans le ciel, hein, les chemtrails, vous êtes au courant? Ouais, elle a 88 ans, un truc comme ça. Elle est trop mignonne. C'est nos petits rendez-vous. Bah, hey, tu sais, on a l'habitude de dire, un Indien m'avait dit une fois, concernant l'âge, face à une montagne, tu es quelqu'un de très, très jeune. Mais face à un papillon, tu es quelqu'un de très, très vieux. Ouais. Alors donc... là, parce que moi, j'en connais plein des anciens. C'est eux qui m'ont fait découvrir la fraude des vaccins, de Pasteur. Ouais, ouais. Sidonia, ouais. Attention aux mots que tu utilises. Ah merde, de la picouse. Voilà, merci. Mais juste pour une révélation que vous devez avoir, savez-vous que vous avez 13,5 milliards d'années ? Vous-même, hein ? Mais oui. Vous l'avez. Pas. Et pourquoi ? Léo, je t'arrête tout de suite. Oui. La fraude de l'histoire. Va voir le live que j'ai fait sur la fraude de l'histoire sur mon Twitch. Alors, Freddy, on va parler de ça aussi. Non, mais. C'est toujours intéressant. C'est paranormal. Donc là, bon, je préfère que tu ailles voir mon travail, Léo. Tu okay. Vas voir mon travail et tu vas voir qu'on t'a menti même sur l'histoire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, il n'y a pas 13 milliards d'années. C'est obligé qu'il n'y a pas 13 milliards d'années. Non, si, bah, peut-être. Moi, ce que je regarde, c'est la composition physique de mon corps, c'est-à-dire de l'eau, du calcium, du magnésium, des minéraux et tout ça qui viennent de la Terre. La Terre vient du Soleil. Le Soleil, bah, comme dit le proverbe serbe, sois humble, car tu viens de la Terre, mais sois noble, parce que la Terre vient du Soleil, vient des étoiles. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. C'est dans le. Oui, oui, mais Léo. La théorie du Big Bang, c'est qu'une théorie. Tout ça, c'est des conneries pour te manipuler. Donc, va voir mon travail, vraiment, Léo. Va voir mon travail, vraiment. Ok, ouais. Bah, écoutez, en attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Allez dormir un peu, les loups, là. Il faut dormir la nuit. Ouais, t'inquiète. Salut, Léo. Ouais. Salut, Léo. Mais par allez, contre, bye. Bye, Léo. Va voir le compte Facebook d'un Mouez Mringa. Je t'enverrai, si tu veux. Et salut, forcé indépendance. Comprendre... J'ai fini par comprendre qu'en fait, ils nous font des resets réguliers, mais ils gardent une certaine datation, si tu veux. Ils gardent les gens. Et en fait, il y a une certaine quand même chronologie qui est exacte, si tu veux. Oui, mais même pas des milliards d'années, même pas des millions d'années. Non, c'est pas sur des milliards, ça c'est sûr. Ni des millions d'ailleurs. Mais il y a quand même un certain truc qui est assez cohérent. Et je me suis dit, mais merde, les enfoirés. C'est vraiment... je t'enverrai le lien de ce compte. Oui, je veux bien. Tu m'enverras en MP. On va accueillir notre ami François Dépendance. Salut l'ami, tu vas bien? Salut, ça va, ouais, tranquille. J'ai déménagé. Maintenant, je suis en Ardèche. Tu es de retour alors, ça y est. Tu vas refaire des lives et tout, non, c'est ça? Ça va être compliqué parce que c'est un pote qui m'héberge, un pote de longue date. Et puis et j'ai internet qu'avec son téléphone en fait. Et des fois ça fonctionne très mal, voire plus du tout. Ça marche. Donc je me suis foutu là parce que, à mon avis, je sens que ça va piquer en fait dans les années à venir. Donc je préfère être perdu dans la nature. Comme ça, je suis peinard. Mais t'as raison. Si vous pouvez vous mettre à l'abri, mettez-vous à l'abri. Moi, je veux rester dans le bateau jusqu'au dernier, tu vois ce que je veux dire? Jusqu'au dernier moment. T'as envie de mourir, toi? J'ai envie de faire tout ce que je peux jusqu'à la fin. On verra bien ce qui se passe. Bon, force à dépendance, tu as vu le thème du live quand même avant de venir? Oui, j'ai vu, oui. Non, mais c'était pour passer faire un coucou après. Je pense que je vais pas tarder à me coucher. Ça marche. Ça fait plaisir de te revoir, en tout cas. De te voir en pleine santé, de te voir bien, c'est cool. Déjà, ça c'est bien. Bon, après, bon, voilà. Donc là, on est sur le paranormal. T'as même pas une petite expérience vite fait, là, avant qu'on ferme tranquillement? Pas dans mes souvenirs, non. Ça... Après, c'est vrai que t'es proche du créateur, parce que tu es très, très pieux, très croyant, donc... notamment, ça te protège, donc tu as peut-être... Même pas dans ton entourage ou... On t'a raconté, non, même pas?
Après, ouais, j'ai eu des potes ou des connaissances qui adorent tout ce qui est ésotérique et tout. Ouais, là, le pote qui m'héberge, il est à fond dans l'ésotérisme, tout ce qui est magie, tout ce qui est truc, il est à fond là-dedans, tu vois. Bah, de toute façon, en général, les gens que je fréquente, souvent, c'est plus. Soit ils sont très religieux, soit ils sont un peu sorciers dans la tête, quoi. Après, moi, je crois au destin. Je pense que c'est. Il t'a pas emmené là-bas pour rien, on va dire, le créateur. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve qu'il y a un but derrière. Ouais. Comme moi, il m'a fait rencontrer une famille très pieuse. Et il m'arrivait beaucoup de galères et grâce à eux, j'ai retrouvé la foi, tu vois ce que je veux dire? Alors que j'étais athée sataniste sans même m'en rendre compte, tu vois ce que je veux dire? D'accord, ouais. Donc voilà, donc je pense que il t'a pas envoyé là-bas pour rien. Si tu as eu envie d'aller là-bas, c'est qu'il y a une raison, comme moi. Ouais, c'est vrai que ça vient d'une envie, je me suis dit, bon bah c'est peut-être un des très rares endroits de France où on sera à l'abri, quoi. Après, ouais, je suis parano à fond. Tu fais bien, tu fais bien. On ne sait jamais. Moi, ce que je dis toujours, il n'y a que ma parano qui me sauvera. Ah. Donc, ouais. Non, il y a des moments, il faut se protéger. Et si tu as senti qu'il fallait que tu le fasses, bah, il fallait que tu le fasses. C'est comme ça. Ouais. J'espère que je me suis trompé, quoi. Hein. Moi aussi, j'aimerais bien me tromper sur tout ce que je dis. Hein, moi aussi. Bon bah ouais. Voilà, bah ça marche, quoi, ça fait plaisir de t'avoir vu. Bien, bon, j'avais dit 11h30, bah on va fermer tranquillement. Bah, vu que t'arrives en dernier, je te laisse dire au revoir à tout le monde. Bah ouais, au revoir du coup. Salut. Culuc, t'es arrivé en premier, donc ce sera Sidonia aussi, t'es arrivé avant le cœur. Donc le cœur, je te laisse dire au revoir à tout le monde en espérant que ton micro il marche bien. Le cœur, tu es là? Oh, vous m'entendez là? On t'entend parfaitement. En plus, ça marche nickel. Là. Vas-y, je te laisse dire au revoir à tout le monde. Eh bien, ouais, je vous dis au revoir. Et je sais pas, vous allez sur le Discord? Ouais, on va aller sur Discord là. On va réessayer voir si ça marche mieux là. Parce que là on t'entend bien là. Donc, ça se trouve, sur Discord, ça va mieux marcher. D'accord. Je sais pas pourquoi. On va essayer. De toute façon, là, ils sont déjà en train de m'attendre là, pour discuter. Donc, si tu veux, tu peux rejoindre. Oh, ils t'attendent tous. D'accord. Donc ça marche. Bah, Sidonia, je te laisse dire au revoir à tout le monde. Ciao la team. À bientôt. Ça marche. Vas-y, Baculuc, je te laisse dire au revoir à tout le monde. Salut à tous ceux qui sont sur le chat et à tout de suite à ceux qui vont sur Discord. Ça marche. On remet le lien du Discord pour ceux qui veulent. Pardon. Voilà. Et en même temps, il y a eu un live tout à l'heure sur la chaîne Facebook de Magali. Ceux qui étaient sur le live de Titus savent de quoi je parle. On fera un débrief sur la chaîne de Titus demain soir vers 6h. Voilà. Et sinon, demain soir, je ne sais pas si je vais faire un live. Je vous tiens au courant pour les annonces. N'importe quoi. Ouais. De quoi, Sidonia? Perte de temps, Magali. Perte de temps. Dire. Oh. Perte de temps et d'énergie. Bref, vous verrez bien. Oui, d'accord, mais elle a invité des gens qui nous ont fait perdre du temps, etc. Mais n'empêche que Titus, là, il a rendez-vous avec Alan Duke. Donc, il y a peut-être un truc derrière quand même. On verra. Ah, on verra. Moi, j'ai écouté son rendez-vous avec la banquière aujourd'hui et j'aurais fort à dire là-dessus. Hein, on en parlera dans le Discord. Alan Duke, oui, je sais. Mais le but, c'est justement de voir avec eux, certains, parce que le Boutry, etc., moi, je l'ai affiché sur ma chaîne. Je ne sais pas si tu as vu mon live, Force Indépendance. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu le titre, en tout cas. Voilà, il n'était pas dispo ce soir. De quoi, Sidonia? Il n'était pas dispo, Richard, ce soir. Oui, bah, comme par hasard, j'ai envie de te dire. Il enterrait sa grand-mère. Moi. T'es sérieuse de ton truc ou quoi là? C'est quand même parce qu'il arrête pas de parler de sa grand-mère. Ouais, ça va un truc comme ça, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Bon, bah voilà, les amis. Je vous tiens au jus. Hein, et je vais fermer la boutique. Je vous invite à vous rapprocher des sorties. Prenez soin de vous et de vos proches. Restez optimiste en toute circonstance. Et je vous aime, la vraie rébellion.
Nous aussi. Moi, ce sera un jus d'abricot.